Monsieur Boukli a quitté son poste, je pense. Qui? Boukli, est-ce que tu Non, es non, j'ai avec pas moi? quitté, j'ai pas quitté. Là, tu J'ai es déjà fait une invisible. vidéo. Voilà ça. Non. Oh, il y a un écho quelque part. C'est bon, je pense que c'est réglé. Donc, le lien, je vais vous envoyer le lien. Donc, je vous ai envoyé la présentation PowerPoint. Donc, avec le lien. Soufiane, Nam. la signature, je l'envoie à qui? Tu m'envoies une copie et une copie à Pascal. Ok, très bien. Soufiane, je t'ai envoyé la signature, t'as. Bon. Je ne sais pas, Ahmed, il est là, il va venir. Hélène, tu peux nous envoyer aussi ta signature? Oui. Tu la veux comment, ma signature, Pascal? Bon, Moi, comme tu j'aurais veux. préféré signer directement sur le PDF parce qu'avec mon application, je signe directement sur le PDF. Si tu as une image, sinon, ouais. Bah, je peux t'envoyer une image, il n'y a pas de Ouais, souci. Hein. une image, ouais, c'est grave. Ok. Très bien, donc je viens d'envoyer ma signature, donc j'ai utilisé vos adresses Gmail. C'est bon?
Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Il a quitté son poste, je pense. Boukli. Soufiane. Il a quitté le poste, lui aussi. Oui, l'akhara. Oui, j'ai lu. Soufiane, j'ai envoyé la signature de Monsieur Pascal. Ou concernant le PV. Oui. Est-ce que je vais l'envoyer aussi à Monsieur Pascal? Bien sûr. Donc en principe le PV va circuler, c'est-à-dire Pascal et puis bon le dernier c'est moi, Pascal puis Badr et puis Jalal et puis Ahmed s'il est là. Donc c'est là. Comme ça que ça va se oui. Passer ça. Donc le PV, votre PV, je ne l'ai pas reçu encore. Monsieur Pascal, vous êtes avec oui. Moi. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien. Je vous ai envoyé ma signature, Monsieur Pascal, c'est Bouchiha. D'accord, c'est bien. C'est ouais. Le président Djiré. D'accord. C'est pareil pour moi, donc je vous ai envoyé la signature sur l'adresse Djiré. Le problème, c'est que... vous êtes comme rapporteur, M. Bouchia, à l'université. Oui. Oui. Et donc, le président ne peut pas être rapporteur, en tout cas en France. Donc, on peut le mettre... président ne peut pas être rapporteur, c'est ça? Oui, il y a conflit entre rapporteur et président. Donc, bon, en tout cas pour la France. Mais bon, mm-hmm. ce n'est pas un problème. Vous pouvez être président en Algérie et en France, on va trouver un autre président pour qu'il n'y ait pas conflit. Ouais. Mais c'est pas grave. Monsieur Pascal. Oui. Monsieur Pascal. Oui. Je vous ai envoyé la signature sur votre adresse Gmail. C'est bon? D'accord. Très bien. Oui. Okay. Ouais, très bien. Donc, on va trouver un autre rapporteur pour le côté français pour éviter les conflits. Donc, je ne sais pas. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est juste pour la signature. Hein. C'est juste pour mettre un problème de signature. Je ne sais pas. Donc, comme président, on peut mettre Jalel ou par exemple, ou Monsieur Bader, Monsieur Ben Amar. Ouais, je ne sais pas, comme vous voulez. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est simplement. Mais Pascal, par rapport à la France, je suis considéré comme rapporteur ou examinateur? Parce que... Non, en France, tu es examinateur. Donc, d'accord. Les rapporteurs pour la France, c'est y a Ahmed, c'est Rouchni et ouais. Djelloul Bouchia. Alors, en Algérie, c'est différent. Et apparemment, ça n'a pas été le même. Bon, bah, c'est comme tu veux. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Ouais, hein. De toute façon, ça va réchanger. Hein. Le PV, ça va être pareil. Simplement, dans la case rapporteur, on mettra une croix. Si tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un d'autre veut prendre la présidence, il n'y a pas de souci. Donc, ça va être des coprésidences, puisqu'en Algérie, ça ne va pas être le même président sur la France et l'Algérie. Ok, ok. Donc, vous serez deux présidents. Très bien. Et parce qu'en Algérie, c'est décidé avant, c'est ça la soutenance ou c'est comment? Oui, d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, on attend Ahmed. Je ne sais pas comment on va faire. Ou Ahmed. Bon, je pense et le PowerPoint, on ne l'a pas reçu encore, hein, le PowerPoint de la présentation. Et moi, je l'ai reçu. Hein, je l'ai reçu. Tu l'as reçu ouais. Mais on peut commencer sans Ahmed et c'est Ahmed qui nous rejoindra. C'est pas, oui, c'est pense. Ça. Oui, on va faire comme ça. Ah, c'est, ok. Donc, on commence. On commence. Oui, on commence. Ouais. On y va. Donc, je vais. Bonjour.
Donc, Hicham, s'il te plaît, si tu peux. Monsieur Ouchéha, s'il peut commencer. Est-ce que je peux commencer? Oui. Je ne vois pas Hicham avec nous. Là, ça, il est. Allez-y, monsieur Bouchéha. On commence? Oui. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on assiste aujourd'hui à la soutenance de thèse de doctorat en sciences. C'est une soutenance en cours tutelle internationale avec l'Université de Haute-Alsace, France. Le candidat, c'est monsieur Belkhir Sid Ahmed Hicham. L'intitulé de la thèse, c'est optimisation de la qualité de service dans les réseaux ad hoc mobiles. Le jury est composé de moi-même, donc c'est Bouchéha Djelloul du Centre universitaire de Naava, comme président jury ici. Donc j'ai avec moi en ligne aussi monsieur, c'est Rochni Ahmed, Télécom Paritech, comme examinateur, professeur Ben Atman Jalal, Université de Paris comme examinateur. J'ai aussi professeur Ben Mammar, c'est ça, Ben Mammar Badr, Université de Tlemcen comme examinateur. Le co-directeur de thèse, c'est professeur Lorenz Pascal, l'Université de, je vois ici, UHA, c'est ça, c'est pour dire Université Haute-Alsace, c'est ça. J'ai avec moi aussi Dr Boukli Hassan Soufiane, le directeur de thèse, Université de Sidi Belabbas. Donc, Monsieur Belkhir Sid Ahmed, vous avez 30 à 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'attends le partage de l'écran. Hicham. Oui. Donc, veuillez m'autoriser, s'il vous plaît, à partager mon écran. OK. C'est bon, Hicham. C'est fait. Ouais. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, messieurs, donc un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de cette soutenance doctorat. Je mes deux encadrants, Monsieur Sofiane Boukli Hassan et Monsieur Pascal Lorenz. Je tiens aussi à remercier les professeurs et les membres du jury. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail en prenant part à ce jury et en me permettant de soutenir cette thèse. Je vous remercie aussi d'être présent dans ces moments exceptionnels pour débattre ce sujet de doctorat. Donc, en effet, le sujet traite un événement important dans le monde de la communication. Donc, surtout avec l'émergence drastique des unités mobiles telles que les laptops, les smartphones et les PDA, nécessitant d'interconnecter entre eux dans un noyau appelé ad hoc, le réseau ad hoc. Notre sujet traite l'optimisation de la qualité de service dans les réseaux ad hoc mobiles. Donc, à cet effet, la présentation sera répartie comme suit. Premièrement, nous allons commencer avec un aperçu général sur les réseaux ad hoc mobiles ainsi que leur domaine d'application. Les fortes contraintes de déploiement de tels réseaux ont relevé des défis énormes pour les chercheurs afin d'introduire des mécanismes qui permettent d'améliorer les fonctionnalités de ces réseaux. Nous allons aussi voir la définition de la qualité de service ainsi que les différentes contraintes d'énergie, vu que les différents composants du réseau ad hoc et du réseau WSN sont alimentés par des batteries de capacité limitée. Donc la quatrième
par qui entamera notre première contribution qui s'articule sur le protocole OLSR. Aussi, une autre contribution qui a vu le jour, une deuxième contribution, afin de pallier aux différentes contraintes de ces réseaux et voir l'optimisation de qualité de service. Un réseau ad hoc mobile est une interconnexion de plusieurs unités mobiles sans infrastructure prédéfinie. Ces unités peuvent aussi s'interconnecter aussi avec le réseau Internet via des passerelles wireless qui peuvent être une de ces unités. Donc, dans ce type de réseau, la communication se fait directement entre les nœuds s'ils se trouvent dans leur zone de couverture. Sinon, la communication se fait point à point via des nœuds intermédiaires jusqu'à atteindre la destination. Donc, tous les nœuds peuvent jouer le rôle d'un routeur et la communication ne nécessite pas un dispositif spécial comme dans le cas des réseaux cellulaires. Donc, cela nécessite le développement des mécanismes de communication et de contrôle de topologie spéciale. Donc, un cas particulier des réseaux ad hoc mobiles, ce sont les réseaux de capteurs qui permettent de regrouper une dizaine, voire une centaine de capteurs afin de récolter des informations relatives à des événements importants ou des mesures d'environnement, telles que la pression, la température. Donc, ces derniers peuvent être fixes ou bien mobiles. Dans ce cas, on parle ad hoc WSM. Donc, un cas dans les réseaux ad hoc mobiles sont utilisés pour le déploiement d'une infrastructure lorsque la création d'un réseau filaire est coûteuse, difficile et ou dangereuse. Donc, pour la première fois, donc ils ont été développés pour les communications dans le domaine militaire et par la suite, de petit à petit, donc ces réseaux ont pénétré les différents domaines tels que les interventions de sauvetage, domaine domotique, domaine médical, etc. Donc, cette large utilisation de ces réseaux les rend un champ de recherche très sollicité. Donc, de ces définitions, on peut tisser plusieurs contraintes de déploiement de ces réseaux donc, qui veulent se substituer aux réseaux filaires existants, offrant des débits considérables et une fiabilité remarquable. Donc, l'absence d'infrastructure fixe, c'est-à-dire le nœud, peut jouer le rôle principal afin de router les informations dans le réseau. Donc, les nœuds sont constamment en mouvement, ce qui cause un problème de déconnexion fréquente et donc les liens ne sont plus maintenus. Donc, sachant aussi que ces unités fonctionnent sur une batterie, donc il peut y avoir à un moment donné un noyau du réseau qui perd son alimentation en énergie, ce qui engendre un grand problème de connectivité et de routage. Donc, la communication dans ce type de réseau se fait en métisseau. Donc, ça veut dire que les nœuds se communiquent directement s'ils se trouvent dans leur portée, les uns des autres. Sinon, la communication se fait point à point jusqu'à atteindre la destination finale. Il y a un autre problème, c'est le problème de la bande passante limitée. Si on veut transmettre des fichiers volumineux ou dans le cas des applications en temps réel, telles que la vidéo ou l'audio, donc de même, il existe aussi des paramètres de sécurité, sachant que n'importe qui peut intercepter les données diffusées à travers le réseau ad hoc ou le réseau AWSN. Donc, de là, on commence déjà à évoquer la question ou le problème de la qualité de service hein, et le problème de fiabilité. Donc, si on veut vraiment que les réseaux ad hoc soient une extension des réseaux filaires, donc il faut s'assurer qu'ils puissent au moins égaler un degré de fiabilité de ces derniers. Donc, la qualité de service dans le cas général est définie comme étant le degré de satisfaction des utilisateurs quand un service opère par ce réseau. Donc, dans le cas des réseaux ad hoc,
elle a été divisée en trois principaux échelles. Donc, une échelle interne et qui concerne les caractéristiques intersectes des nœuds du réseau local et concerne le voisinage, réseau du nœud, et global, qui est la qualité donc, de service de bout en bout. Donc, à cet effet, plusieurs mécanismes et protocoles ont été développés par des chercheurs afin d'instaurer une certaine qualité de service pour les réseaux ad hoc et les réseaux WSN. Donc, à travers toutes les couches du modèle OSI, telles que les techniques de back-off, et la norme, l'évolution de la norme 802.11. Donc, d'autres protocoles de routage ont été définis, tels que CEDA, Insignia, ou bien une remodulisation complète de la couche réseau à travers les modèles tels que FQNN, IMAC et SWAN. Bien sûr, les principales solutions se situent principalement dans la couche liaison et la couche réseau. Donc, dans notre contribution et dans notre travail de recherche, on s'est intéressé aux solutions déployées pour la couche réseau. Donc, le problème de routage classique, les protocoles, pardon, des routages classiques tels que OSPF, RIP, donc, ne sont plus adaptés à ce type de réseau, ce qui amène les chercheurs à développer d'autres types de protocoles permettant de prendre en charge les contraintes du réseau. Les différents protocoles développés dans ce domaine se divisent en trois principales catégories, à savoir les protocoles proactifs qui permettent de conserver les liens entre les nœuds tout au long de sa durée de vie. Les protocoles réactifs, quant à eux, sont dits des protocoles à la demande. D'autres protocoles qui permettent d'implémenter les deux philosophies sont dites des protocoles hybrides. Donc, après avoir passé en revue les différentes contraintes des réseaux ad hoc et des réseaux sensor networks, nous allons maintenant étudier un protocole de routage très répandu dans ce domaine qui est OLSR, dont l'acronyme est Optimized Linked State Routing. De par son caractère proactif, ce protocole est à état de lien et utilise l'inondation via des relais multipoints qui sont responsables de relayer les informations entre les nœuds. Et il est décrit, bien sûr, dans la RFC 3626 de l'IETF. L'OLSR est un protocole de routage largement utilisé pour les réseaux ad hoc mobiles. Donc, l'OLSR est un protocole de routage à état de lien qui maintient l'état de lien à l'aide de sa politique proactive. L'OLSR réduit les messages de contrôle par l'utilisation des techniques d'MPR. Donc, les MPR sont les nœuds responsables à l'acheminement des données entre les différents nœuds du réseau. Donc, n'importe quel nœud peut jouer le rôle d'un MPR. Donc, afin de transmettre les différentes informations liées au réseau OLSR, au réseau dans le protocole OLSR. Donc, OLSR utilise deux principaux paquets, à savoir le paquet Hello et le paquet TC. Donc, le format est illustré par les deux figures. Donc, le message Hello permet de transmettre l'adresse IP du voisinage des nœuds ainsi que la capacité de ces derniers à relayer les informations. Le champ réservé est vide, donc, et c'est qui sera utilisé dans la suite de cette contribution. Donc, le message TC, quant à lui, permet de transmettre des informations que la topologie du réseau, concernant la topologie du réseau. Donc, la transmission périodique de ces deux messages permet à chaque nœud de construire ses tables de topologie et de voisinage. Donc, la technique
ou l'algorithme de sélection des MPR repose sur deux principales étapes. Donc, la première étape, c'est sélectionner les nœuds du premier voisinage qui couvrent les nœuds isolés qui se situent dans le voisinage à deux sauts. La deuxième étape, quant à elle, donc, la plus grande rôle de sélectionner parmi les nœuds de N1, non sélectionnés dans la première étape, les nœuds qui couvrent le plus grand nombre de nœuds déjà couverts de N2. Bien sûr, on va répéter cette étape jusqu'à ce que tous les nœuds du voisinage à deux sauts sont couverts. Donc, cette technique a une grande importance dans le cadre de la topologie démontrée dans cette figure. On va avoir 11 transmissions au lieu de 24 transmissions. La première étape est pratiquement intouchable dans tous les travaux de recherche qu'ils ont pour but d'améliorer le mécanisme de sélection des MPR, parce qu'elle couvre les mécanismes, elle couvre les nœuds isolés, et on pratique donc ces nœuds en une seule solution pour les couvrir. Dans la deuxième étape, quant à elle, plusieurs travaux de recherche ont touché cette partie, et nous aussi, on a essayer d'améliorer cette partie. Donc, le processus de la deuxième étape, elle va avoir comme but de répéter un processus de recherche des liens des nœuds à deux sauts et essayer de couvrir la totalité des nœuds à deux sauts. Pour cela, on va utiliser plusieurs critères successivement. Donc, le premier critère, c'est la réchabilité ou la joignabilité. Le nombre qui représente le nombre de connexions qui peut nous donner un MPR. Donc, un deuxième paramètre, c'est le willingness. Le willingness, c'est un paramètre fixé par le nœud lui-même et qui représente l'aptitude du nœud à jouer le rôle d'un MPR. Donc, il y a en cas d'égalité de ces deux paramètres, donc on passe à un deuxième paramètre qui est le degré et qui représente l'ensemble des connexions qui détient ce nœud-là. Donc, la réchabilité, elle peut être définie par, c'est-à-dire l'algorithme suivant. Donc, l'algorithme suivant, donc la réchabilité, on va chercher le nœud qui nous donne le maximum, on va chercher le nœud qui nous donne le maximum de joignabilité via les nœuds à deux sauts. Donc, un nœud, les MPR représentent un élément clé et qualifié comme point fort dans le protocole OLSR. Ainsi, ils permettent d'optimiser le nombre de messages lors du processus de diffusion. Inversement, ces nœuds représentent un point faible du fait que dans le cas où un point MPR tombe en panne, cela engendre un paralysis d'une partie du réseau. Donc, on voit dans ce graphe-là, on a essayé de lancer une simulation et de comparer l'évolution de la consommation d'énergie entre deux nœuds. Le premier nœud est fixé on a fixé son willingness à will. Always, ça veut dire qu'il va être sélectionné toujours comme étant un MPR. Le deuxième nœud, on a fixé son willingness à will never, ça veut dire qu'il n'est jamais sélectionné comme étant un MPR. La comparaison de la consommation d'énergie entre ces deux nœuds a montré qu'un nœud MPR consomme plus de 35% de son énergie pour assurer la tâche de routage. Donc il y a un épuisement rapide de la batterie de ces nœuds fortement sollicités, donc ce qui engendre la création de trous qui contribuent dans l'instabilité du réseau, et ceci impacte négativement la qualité de service. Donc, notre première contribution concernant l'amélioration de ce mécanisme de sélection des MPR. Donc, elle a, bien sûr, comme on a cité précédemment, donc elle vise à améliorer la deuxième partie
de sélection de ces APA en essayant de choisir des nœuds qui ont plus d'énergie. Pour cela, les nœuds doivent interchanger les énergies et doivent partager leur énergie via le réseau. Pour cela, bien sûr, on va utiliser seulement des paquets Hello pour ne pas engendrer un signal ou des paquets overhead supplémentaires. Donc, le calcul des MPR doit inclure l'énergie des nœuds comme critère de sélection des MPR. Donc, on va essayer de faire une pondération entre les deux critères, hein, entre la réchabilité et l'énergie, afin de faire une sorte d'équilibrage de charge entre les différents nœuds pour jouer le rôle d'un MPR. Donc, il y a plusieurs travaux qui avaient pour but d'améliorer le protocole OSR. Donc, parmi eux, il y a le BFE et autres. Donc, ils ont développé une autre version de OLSR, nommée LEOLSR, par la modification du mécanisme de sélection des MPR en introduisant un seuil. Donc, ils ont introduit un seuil d'énergie afin de décider l'aptitude. Donc, c'est à travers l'énergie, ils essayent de paramétrer le winningness, de décider l'aptitude de nœud à jouer le rôle d'un MPR. Sahnoun et autres présentent une nouvelle variante d'OLSR nommée EPR-OLSR par l'introduction de deux paramètres supplémentaires, à savoir la stabilité des liens et la vitesse d'épuisement de l'énergie pour faire une décision, c'est-à-dire des routes à prendre, des routes à choisir lors du processus de routage. Donc, pour notre cas, le premier défi, c'est de faire véhiculer et partager l'information énergie entre les différents nœuds du réseau. Donc, pour cela, on va utiliser le champ réservé. Donc, le champ réservé, on va consommer un seul octet, donc un octet peut nous donner 256 valeurs. Par contre, nous, on va véhiculer le pourcentage de l'énergie résiduelle qui appartient à l'intervalle 0-100. Donc, on va utiliser les deux champs réservés, des paquets Hello et des paquets TC, afin de faire partager l'information énergie qui va être exploitée après pour améliorer le processus de sélection des MPR. Bien sûr, on va avoir une nouvelle formule de calcul de réchabilité. Donc, la nouvelle formule R', elle se base sur l'ancienne réchabilité en ajoutant le paramètre énergie. Donc, les EN, c'est l'énergie résiduelle du nœud. Donc, N2, c'est le cardinal de l'ensemble de voisinage à un saut. En fait, c'est le nombre de voisins à un saut. DY, c'est le degré du nœud X. Donc, il représente en quelque sorte la réchabilité, l'ancienne réchabilité. Et on va introduire un nouveau paramètre qu'on va l'appeler W. Ce paramètre, c'est un paramètre de pondération entre la position du nœud, la réchabilité, et son énergie résiduelle. W, c'est un poids, il va appartenir à un intervalle 0 et 1. Donc, cette fonction, elle a été normalisée pour avoir toutes les valeurs comprises entre 0 et 1. C'est pour cela qu'on a fait la division du poids sur le cardinal pour avoir un pourcentage de couverture par rapport au voisinage à 200. Donc, par la suite, donc on va cibler quelques critères de qualité de service. Parmi eux, c'est le contrôle overhead et les diagnoses, le nombre de nœuds vivants, parce que on a comme objectif, notre objectif principal, c'est de prolonger la durée de vie du réseau. Surtout, on traite les réseaux de capteurs qui ont comme source d'énergie une pile. Et ils sont, si la pile est épuisée, ils sont généralement non récupérables.
On a aussi un autre critère très important qui est le temps de propagation des paquets de bout en bout et le critère de packet loss, c'est-à-dire le nombre de paquets perdus dans la phase de transmission. Donc, pour permettre d'évaluer notre nouvelle variante du protocole OSR, on va utiliser, bien sûr, le simulateur connu NS2. Donc, ce simulateur, c'est un simulateur très connu dans le monde de la recherche. Donc, il est open source et il nous permet de faire beaucoup de modifications sur le code source d'OLSR. Donc, il utilise bien sûr deux langages, c'est l'OTCL pour les générations des scénarios ainsi que les scripts de simulation et le langage C++ pour les attributs et les classes de protocoles implémentés. Donc, bien sûr, on va lancer un script qui est en général un scénario de un script de scénario de mobilité, un scénario de communication, et on va lancer notre nouvelle version de OLSR et voir les fichiers trace. Bien sûr, on a développé un script spécial afin d'interpréter les résultats voulus. Pour les paramètres de simulation, ils sont inscrits dans le tableau en face, donc en quelque sorte on va varier le nombre de nœuds de 20 jusqu'à 100, ce qui concerne la concentration des nœuds. Pour la vitesse de nœud, elle va être variée de 1 jusqu'à 10. On va avoir comme énergie initiale des nœuds 100 joules et on va utiliser dans la couche liaison de données le 802.11. Donc, afin de choisir le bon paramètre de pondération entre l'énergie et la position du nœud, donc on a varié la valeur de W de 0 jusqu'à 1. Donc, à savoir que W est égal à 0 veut dire qu'on est à l'OSR original, c'est-à-dire que seule l'activité va être utilisée comme critère de sélection des intérieurs. À W est égal à 1, ça veut dire que seule l'énergie elle est prise en compte dans le processus de sélection des MPR. Donc la variation de ce paramètre nous a donné les résultats suivants. Donc il est bien clair que la valeur W est égale 0,5 donne les meilleurs résultats en termes de nombre de nœuds morts, c'est-à-dire elle permet de prolonger au plus la durée de vie du réseau et en termes de nombre de paquets perdus. Donc cette valeur, elle va être prise en compte dans le reste de cette contribution. Donc et la première, c'est-à-dire la nouvelle échéabilité soit égale à 0,5 fois l'énergie résiduelle plus 0,5 fois VY sur le cardinal de N2. Donc, après avoir intégré la nouvelle formule de sélection dans la OLSR, donc on a une nouvelle version de OLSR et on a essayé de varier en premier lieu la densité du nœud, c'est-à-dire le nombre de donc impossible qu'on a un overhead supplémentaire.
Donc, le vide, cette légère augmentation du vide est due, en quelque sorte, donc elle est due à, c'est-à-dire au nombre de nœuds vivants. Donc, un plus grand nombre de nœuds vivants, il va engendrer pratiquement un plus grand nombre d'ovaries dans le réseau. Pour l'amélioration en termes de nombre de nœuds noirs, donc il y a une amélioration de 35 jusqu'à 57%. On a pu garder plus de 35 à 57% de plus de nœuds vivants. Bien sûr, il y a une amélioration en termes de délai de propagation des paquets de bout en bout. Cette amélioration est logique puisqu'on a conservé la majorité des nœuds vivants. Ça veut dire qu'on a plus de routes à exploiter. Bien sûr, les paquets lost, on a diminué le paramètre des paquets lost, bien sûr, parce qu'on conserve, en conservant plus de nœuds, on a moins de trous et dans le réseau. Et de là, on peut avoir, on peut voir clairement l'influence de la qualité de la prolongation de la durée du réseau sur les autres critères de la qualité de service. Donc, on fait varier le nombre le node speed, c'est-à-dire la vitesse des nœuds, de 1 jusqu'à 10. Donc, on a toujours une performance de notre nouvelle version d'OLSR par rapport à l'OLSR original en termes de date nodes ainsi que les délais de propagation des paquets de bout en bout. Donc, pour résumer cette contribution, on a pris comme référence l'OLSR standardisé RFC 3626. On a essayé de faire c'est-à-dire un compromis ou une nouvelle rigidité basée sur l'énergie et la rigidité. Comme résultat, on avait une nouvelle version d'OLSR. Ce résultat de recherche a été publié dans l'IGCS, donc un journal avec impact factor 1,278, et il est de classe A et indexé en son Reuters. Passons maintenant à notre deuxième contribution. Donc là, dans la première contribution, le choix du paramètre W a été fait en se basant sur la simulation, en cherchant un paramètre de pondération qui va garantir une amélioration de la qualité de service. Sur cette valeur, le choix a été de W égale à 0,5, ça veut dire 50% pour l'énergie, 50% pour la rigidité. Cette valeur a permis d'avoir les meilleurs résultats et d'améliorer la durée de vie du réseau. Ainsi, une nette diminution des paquets perdus, comparément à l'OLSR basique. Cette valeur du paramètre W a été la même pour tous les nœuds du réseau, quel que soit l'état énergétique de leur voisinage. Toutefois, on a pensé à chercher une autre méthode de calcul dynamique de ce paramètre de pondération. C'est-à-dire que chaque nœud il va décider d'une façon autonome du poids de pondération entre l'énergie et la rigidité selon l'état énergétique de son voisinage. Donc, pour permettre de faire celui-là, donc on peut exiger un nœud dans l'état énergétique de son voisinage de leur homogène de basculer vers d'autres nœuds comme MPR, autres que ceux émis par l'OLSR. Donc, l'idée de cette deuxième approche est de rendre le paramètre W dynamique et calculable. De cette manière, chaque nœud peut adapter le paramètre W à l'état énergétique de son voisinage de façon autonome. Pour pouvoir réaliser ce mécanisme, les techniques de mesure de dispersion peuvent être exploitées dans ce cas-là. Bien sûr, on a plusieurs techniques de mesure de dispersion dans le domaine des statistiques.
On a pris, ça dit comme critère de mesure de dispersion, l'écart-type standard deviation. Donc, c'est un critère de mesure de dispersion très connu dans le monde des statistiques. Il permet de donner une vue sur l'homogénéité d'un ensemble de valeurs en mesurant le degré de dispersion en se basant sur la distance euclidienne, la moyenne de distance euclidienne entre ces valeurs et leur moyenne. Donc, celui-là, donc, il nous permet de mesurer le degré de dispersion des énergies du voisinage à un saut de chaque nœud afin de pouvoir se servir de cette information pour le calcul du paramètre W. Il existe plusieurs indicateurs de dispersion. Notre choix a été basé sur le standard deviation. Donc, pour ce faire, on a analysé l'évolution de l'écart-type dans l'OLSR standard. Donc, l'OLSR standard, bien sûr, au début, si tous les nœuds ont la même énergie, le standard deviation est égal à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart-type. L'écart-type, il va varier jusqu'à 0,18 hein, dans les scénarios d'une vitesse de 5 mètres par seconde et un nombre de nœuds allant jusqu'à 100 nœuds. Et il va bien sûr diminuer après parce qu'il y aura des nœuds moins. Donc, afin d'exploiter cet écart-type, W, il va calculer, et on va calculer W en fonction de écart-type. W égale F de SD. Donc, pour faire le choix de cette fonction, on a opté pour le choix de la fonction AX au carré plus B. Pourquoi la fonction AX au carré plus B? AX au carré plus B, c'est une fonction connue par sa forte croissance. Elle est proche de l'exponentielle et elle est facilement paramétrable à travers son paramètre B c'est-à-dire à travers ce paramètre B paramétrer le minimum et le paramètre A qui bien sûr qui détermine le nombre c'est-à-dire la vitesse d'évolution de cette fonction. Une fois le paramètre W dynamique, on peut y avoir ici un processus de régulation. Ça veut dire, au début, si les énergies sont homogènes, on va diminuer le poids W. Hein, et en fonction de déséquilibre énergétique, on va donner plus d'importance pour l'énergie pour récupérer l'équilibre énergétique. Donc, le processus, c'est un processus de régulation, c'est-à-dire le nœud inspecte à chaque fois son voisinage parce qu'il a à chaque fois les parties de nœud chaque deux secondes, et il va inspecter son voisinage, il va mesurer l'écart-type de ce voisinage, il va avoir une idée sur l'équilibre énergétique à travers le paramètre d'écart-type, il va bien sûr calculer un nouveau W selon le cas pour faire un équilibrage de charge afin de garder l'équilibre dans un certain intervalle acceptable. Donc, en appliquant cette nouvelle fonction, on a pu garder l'écart-type dans un intervalle de 0,8 jusqu'à 0,1. Donc cet intervalle est vraiment c'est-à-dire acceptable, ce qui prouve que l'utilisation de la nouvelle fonction dynamique nous a permis de faire, de réaliser, d'avoir un équilibre de charge dans le voisinage de chaque nœud et qui va influencer bien sûr sur l'état général du réseau. Donc, les résultats de simulation ont montré une amélioration par rapport au WREOLSR. Donc, on a la nouvelle version WREOLSR+,
une amélioration. On fait varier donc, par rapport à la concentration du réseau, on fait varier le nombre de nœuds de 20 jusqu'à 100. Il y a une amélioration. Parfois, parfois WOSR il est plus efficace. Donc cette compromis est normal parce que une fois on améliore une qualité, peut-être le diagnose, on va perdre dans un autre paramètre de qualité service. En général, on a une légère augmentation du contrôle overhead. On a déjà expliqué ce phénomène. Ce phénomène est dû au nombre de nœuds vivants qui est plus supérieur à l'OLSR et WOLSR. Bien sûr, on a essayé de mesurer les qualités de service par rapport aussi à la vitesse du nœud, donc au mouvement et à la mobilité des nœuds. On a toujours une amélioration des qualités de service par rapport à la mobilité. Donc on avait une version WRE-OLSR. On a essayé de faire une pondération dynamique. Donc on a essayé de faire une pondération dynamique afin de soulager les nœuds fortement sollicités et afin d'équilibrer la charge. Et bien sûr, on bute d'augmenter la durée de vie du réseau. Ce travail a été le sujet d'une communication internationale dans la conférence I3E ICC qui va être présentée demain, Inch'Allah, le 9 juin 2020. Donc, pour conclure, durant cette présentation, nous avons passé en revue les différentes contraintes de la qualité de service et d'énergie posées par le déploiement des réseaux ad hoc et les réseaux de capteurs. Aussi, nous avons étalé notre recherche dans cette optique et qui a été axée principalement sur la partie routage de l'information qui présente la source principale de l'épuisement des batteries des nœuds mobiles. Nous avons démontrer que l'introduction de l'énergie résiduelle des nœuds mobiles comme critère d'évaluation a considérablement amélioré la qualité du service de réseau ainsi que sa durée de vie. Donc, le protocole WRE-OSR a permis une nette amélioration, surtout en termes de nombre de nœuds morts, et on a jusqu'à 57% d'amélioration. Donc, il est très utile. Bien sûr, dans les réseaux denses et à forte mobilité. Donc, les performances des deux variantes proposées, à savoir WRE-OLSR et WRE-OLSR+, ont été évaluées via le simulateur, un simulateur via la plateforme NS2. En perspective, la mise en pratique de ces nouvelles approches sur les plateformes expérimentales implémentant des scénarios aléatoires proches de la réalité permettent de mieux évaluer leurs performances. Donc, ceci permet d'étayer davantage les hypothèses retenues. Donc, le mécanisme d'équilibrage de charge développé sur les énergies peut être aussi appliqué sur d'autres critères tels que le flux de données acheminé par chaque nœud ou la probabilité de panne afin d'augmenter la fiabilité du réseau. La notion de conservation d'énergie peut être appliqués sur d'autres protocoles de routage et adaptés à leur fonctionnement afin d'améliorer leur performance. Je vous remercie pour l'intention et on passe à vos questions. Je suis prêt. Merci, M. Belkhira, pour la clarté de la présentation. Donc, sans tarder, je passe la parole à professeur Serouchni Ahmed. Monsieur Serouchni Ahmed. Professeur Serouchni Ahmed, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? C'est possible d'activer le son?
Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Je viens juste de joindre la réunion. Donc, avec vous, monsieur Bouchi Hadjelloul, de l'Université de Naama. Donc, je suis le président du jury de cette soutenance. Oui, j'ai vu la vidéo depuis le début. J'ai reçu un lien sur YouTube et j'ai pu voir le début. Vous pourriez donner la parole à quelqu'un d'autre avant moi? Il n'y a pas de problème. Donc, je passe à professeur Ben Othman Jalal, Université de Paris. Merci, professeur Bouchicha, pour m'avoir donné la parole. Et je remercie en fait le candidat pour sa présentation, hein, qui est une très bonne présentation. J'ai eu l'occasion en fait de lire le manuscrit, qui est quand même assez clair, et il a fait quand même pas mal de contributions intéressantes. Donc, je voulais le féliciter par rapport à ça, et aussi par rapport aussi à sa présentation. J'avais quelques petites questions par rapport en fait aux travaux qu'il a effectués. Donc, le premier, c'est au fond, c'est une question plutôt générale sur les choix que vous avez faits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le, en fait, vous vous êtes focalisé essentiellement sur OLSR, et la question c'est pourquoi OLSR ? Pourquoi vous vous êtes pas focalisé sur un autre, sur d'autres algos en fait de routage ? Voilà, pourquoi vous vous êtes focalisé sur OLSR ? Je réponds directement ou on laisse à la fin ? Oui, allez-y. Allez, c'est bon. Donc, je remercie M. Galabin pour cette question. Donc, les choix, le choix d'OLSR, bien sûr, on travaille sur les réseaux ad hoc en général, et plus spécialement sur les réseaux AHWSN, les réseaux Sensor Networks. Donc, OLSR, c'est un réseau qui est très performant, surtout dans le cas des réseaux denses. Donc, c'est un protocole proactif et qui est très utilisé dans le domaine des réseaux à réseaux de capteurs, et le réseau de capteurs a forte densité et une forte mobilité. Donc, c'est la thématique en quelque sorte qui nous a poussé à focaliser sur le protocole OLSR. Et en fait, il fallait choisir un protocole pour essayer de l'améliorer. Donc, dans la recherche collaborative, on a trouvé que beaucoup de travaux de recherche ont focalisé sur l'OLSR et été utilisés dans le domaine des réseaux capteurs. Alors, je vais parce que j'ai envie, en fait, ce n'est pas vraiment mon domaine, je ne connais pas très très bien en fait ce domaine de recherche, mais il me semble que l'OLSR, quand il a été développé, a plus été développé pour les réseaux ad hoc et non pas pour les réseaux en fait de capteurs. Et donc, ma question, c'est qu'en fait, sur les capteurs, il y a quelque chose qui est très important, et ça, vous l'avez bien en fait pointé dans votre présentation, c'est l'aspect énergie, l'aspect énergétique qui est très important. Or, si on voit en fait OLSR, ça reste quand même un protocole assez lourd en termes de signalisation. Et justement, c'est en ça que je posais en fait ma question. C'est pourquoi vous avez choisi OLSR, sachant qu'en fait, donc il y a toute la phase de sélection des MPR. Il y a tout, c'est, en fait, ça reste quand même un protocole assez lourd pour les réseaux de capteurs. Ça peut être bien pour un réseau ad hoc, mais pour les réseaux de capteurs, ça reste quand même, à mon sens, un protocole assez lourd. Essayez de justifier pourquoi vous pensez que, malgré tout, ça reste quand même un protocole assez compétitif en termes, par exemple, de consommation d'énergie. On a essayé de le rendre compétitif. On avait un champ libre parce qu'en fait, OLSR ne prend pas en compte l'énergie comme critère de routage ou de sélection des MPR. Et l'énergie, bien sûr, c'est un paramètre très crucial pour le cas des réseaux de capteurs. C'est pour cela qu'on a essayé de donner une nouvelle version de OLSR adaptée pour les réseaux de capteurs. Et en termes de ça veut dire, il est assez lourd. Je trouve qu'il est optimisé. Donc, en sens LSR, il est lourd. Mais la version OLSR, qui est basé sur l'utilisation des MPR et tout. Donc, elle a un grand avantage en termes d'optimisation des overheads et tout.
Donc, pour l'utilisation, c'est un protocole proactif, c'est-à-dire normalisé. Hein? Donc, et on a, et c'est, on avait pour nous un champ libre de, d'exploiter un mécanisme d'équilibrage de charge et de l'intégrer dans l'OSR afin de, d'avoir comme résultat un protocole très adapté au réseau de capteurs. C'est ça. Ok, merci. Donc, la deuxième question, c'est sur justement l'équilibrage de charge. Alors, vous faites un équilibrage de charge sur quelles fonctions de coût? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fonctions de coût sur lesquelles vous vous êtes focalisé pour votre équilibrage de charge? Oui, donc voilà, on a fait deux fonctions d'équilibrage de charge. Donc, la première… On revient à la présentation. Oui. Est-ce que vous avez le partage d'écran? Oui, je l'ai, c'est bon. Oui, c'est bon. On va parler de la première contribution. Donc, l'équilibrage de charge était basé sur une fonction de pondération. Donc, c'est une fonction de pondération. Voilà. Donc, c'est une fonction de pondération entre l'énergie résiduelle et la réchauffabilité. Oui. Qui nous a permis. Pardonnez-moi. On va avoir sa formule générale. C'était ça, la formule générale. Donc, la formule générale, l'idée, c'était d'avoir une nouvelle réchauffabilité. On a essayé de développer une fonction normalisée qui est basée à la fois sur l'énergie résiduelle et la réchauffabilité. Donc, l'énergie résiduelle, elle est exprimée en pourcentage et la réchauffabilité, bien sûr, c'est un nombre entier qui représente le nombre de connexions. Et pour cela, on a divisé ici ce nombre sur le nombre total des nœuds pour avoir, le nombre total bien sûr des nœuds à dessous, les voisins à dessous, pour avoir en quelque sorte un pourcentage. C'est-à-dire, au lieu de dire on a 7, je couvre 7 nœuds, on dit 7 sur 10, c'est-à-dire 70% des nœuds. Et on a introduit ce paramètre W. Hein, W, ce paramètre, c'est un poids. Et à travers ce poids, on va essayer de faire une pondération entre la réchauffabilité et l'énergie. Mais la question qui se pose, quel est le poids idéal pour avoir cet équilibre? D'accord. Alors, on a penché pour, c'est-à-dire à la variation, donc la solution la plus grande, c'est de varier le poids et de voir l'influence du poids sur notre fonction d'équilibrage. Et on a opté pour la première contribution au poids, 50% pour l'énergie, 50% pour la réchauffabilité. Pour la deuxième contribution, bien sûr, on a développé une autre fonction de calcul de W. Ça veut dire que ce W, il va être dynamique et le nœud, il va, en fonction des nœuds qui interviennent, parce qu'il y a une mobilité, ou en fonction de l'épuisement de l'énergie, ils vont adapter son poids pour de pondération selon l'état énergétique de son poids. Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, ça suppose qu'on connaît le nombre de nœuds. Oui. Alors déjà, c'est une hypothèse qui est forte, hein, dans un réseau de capteurs, de connaître en fait le nombre de nœuds. Ça veut donc dire
qu'il faudrait qu'il y ait un protocole ou un override, en fait, un échange en fait, d'informations entre les nœuds pour pouvoir comptabiliser en fait, le nombre de nœuds qui sont en fait, connectés au niveau du réseau, ce qui ferait en fait, de la surconsommation en fait, d'énergie. Hein, si on met en fait, un capteur à n'importe quel moment, on peut mourir. Donc, si vous partez par une hypothèse que je sais pas, j'ai X nœuds et contre-temps, j'ai X moins N nœuds qui sont morts, alors soit en fait, vous sont faussés si vous restez sur X, ou bien vous aurez en fait un résultat, ou bien en fait vous mettez en place un protocole qui permet en fait de comptabiliser le nombre de nœuds qui sont actifs. Donc ça c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est sur justement sur les critères que vous avez choisis. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères plus pertinents pour calculer cette réchabilité sur votre fonction de coût? Il fallait faire un choix, parce que le choix de l'énergie, c'est-à-dire c'était le contexte qui nous a obligés à passer. Non, mais l'énergie, il n'y a pas de souci, ça, j'ai bien compris qu'il y a l'énergie, mais c'est sur les autres critères que je pose la question. Les autres critères de la qualité de service? Oui, voilà. On s'est basé sur un critère principal. En fait, c'est votre question pour générer un trafic supplémentaire. En fait, c'est l'OLSR, c'est dans le cœur de l'OLSR, il permet de comptabiliser tous les nœuds durant son processus de fonctionnement normal, c'est-à-dire dans la phase de propagation des messages nulo etc. Les tables, ils sont remplis et on sait, donc il est bien sûr, il sait les voisins à un saut et à deux sauts seulement. Donc au-delà, le protocole OSR, il est aveugle, hein, donc il ne sait rien. On s'est basé sur certaines informations qui étaient déjà dans les tables de routage, qui étaient déjà ça est connu par les nœuds. On n'a pas introduit une surcharge du réseau, on n'a pas introduit des nouveaux paquets afin de comptabiliser les nœuds. Donc, en fait, l'OLSR, il contient cette fonctionnalité dans ce rapport. Donc on a évité de, parce qu'on est dans un réseau très sensible, qui est réseau de capteurs, on a évité de faire toute modification, c'était une modification chirurgicale. On a essayé de ne pas toucher le mécanisme de l'OLSR, surtout en termes de génération de réplique. Votre deuxième question, c'était pour les qualités de service qu'on a choisies. Donc on s'est basé principalement sur la durée de vie, qui est un critère très essentiel dans les réseaux capteurs, parce qu'un réseau capteur, en quelque sorte, il travaille sur la base d'une pile. Si on a, c'est-à-dire les capteurs, ils sont généralement jetés par des avions, ou c'est-à-dire dans des endroits dangereux ou difficilement accessibles. En sorte, c'est cette pile est épuisée, le capteur, il est généralement irrécupérable. C'est pour cela, le critère numéro un, c'est la durée de vie. Sans durée de vie, c'est le capteur est mort, toutes les qualités de service, ils sont abandonnées. Le premier critère, c'est la durée de vie. C'est pour cela on a basé sur la durée de vie. La durée de vie elle-même, elle a une influence. Si on maintient plus de nœuds, on a plus de routes, on n'a pas des trous, on n'a pas une perturbation. En fait, on s'est focalisé sur la durée de vie, et ça, c'est la durée de vie qui a influencé sur les autres critères. Donc, on a principalement focalisé sur la durée de vie, et la durée de vie, elle avait une influence sur les autres critères. Ça, par exemple, le délai de propagation de paquets de bout en bout, le taux d'erreur, il est diminué. En fait, on a touché, notre but principal était la durée de vie. Et la durée de vie, elle avait une influence très positive sur les autres critères. On a remarqué juste l'influence de cette modification, c'est sur les autres critères connus dans le monde de la qualité de service. Ok, alors une dernière question en fait sur ce calcul-là. En fait, quand vous mettez la pondération entre la position d'un nœud et son énergie résiduelle, pardon. La question, ça veut dire quoi la position d'un nœud pour vous? La position d'un nœud, ça veut dire en quelque sorte, c'est la réchabilité.
on est bien positionné, ça veut dire qu'on a plus de connexions. C'est ça la position de nous. Parce qu'en quelque sorte, c'est le critère pour l'OLSR, c'était le nombre de connexions qu'on a. Si on a plus de connexions, on est toujours sélectionné comme étant un MPR, on est sollicité pour router des paquets. C'est ça la. Mais vous l'évaluez comment pour le calcul de votre formule? Je ne parle pas de position, ça veut dire des coordonnées. C'est-à-dire la position, c'est en fonction du voisinage. C'est-à-dire on est bien positionné. On est bien positionné, c'est-à-dire qu'on a un plus grand nombre de connexions. On a l'ancienne richabilité de l'OLSR qui est donnée, la richabilité dans le nombre de connexions. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, j'ai 20 nœuds dans mon voisinage. Et moi, comme étant un nœud de ce voisinage, j'arrive à couvrir 10 nœuds. Ça veut dire j'arrive à couvrir 50% des nœuds qui existent dans mon voisinage. Cela est dû à ma position. Je suis bien positionné dans le réseau pour pouvoir router le maximum. Ça veut dire la position, ce n'est pas une coordonnée. La position, en quelque sorte, c'est l'ancienne richabilité de l'OLSR, c'est le nombre de connexions. D'accord. Alors, comment se comporte en fait ce calcul-là si j'ai affaire à des nœuds qui sont mobiles? Si les nœuds ils sont mobiles? Oui. Oui, bien sûr. Donc, l'OLSR, il prévoit ceci. Donc, c'est un protocole proactif. Il fait une mise à jour chaque 2 secondes. Donc, chaque 2 secondes, on a un échange de paquets hello et on a une mise à jour de tout. Hein. Là, ça veut dire du voisinage à 1 saut, du voisinage à 2 sauts, des routes. C'est-à-dire exploiter. Donc, chaque 2 secondes, on a une mise à jour. Si on a une vitesse acceptable, c'est-à-dire les capteurs, ils sont pas, on n'est pas dans le cas des réseaux véhiculaires. Donc, un capteur. Vous pouvez avoir des capteurs sur un véhicule. Hein. J'ai pas entendu. Vous pouvez avoir un capteur sur des capteurs sur un véhicule. Hein. Ah, si on a, ça veut dire un capteur véhicule, on parle de. Non, je répondais à ce quand vous me disiez que la mobilité n'est pas importante. Je vous ai répondu. Elle n'est pas importante, on tient de vitesse. On peut aller jusqu'à 10 mètres par seconde dans un capteur. Parce que les capteurs, en quelque sorte, c'est des capteurs qui se trouvent dans la nature pour récolter des informations environnementales, une température, une pression, ainsi de suite. Donc, la mobilité d'un capteur, parce que le capteur, c'est un petit dispositif. La mobilité d'un capteur, elle ne peut pas aller au-delà de 8 à 10 mètres par seconde. C'est ça. Il y a une mobilité. On parle de ad hoc de AHWSN, ad hoc sensor wireless network. Mais la mobilité n'est pas comparée à la mobilité d'un véhicule. C'est pas, parce que la mobilité elle-même, elle épuise l'énergie. Parce qu'on fait la mobilité à travers des moteurs et ainsi de suite. En quelque sorte, la mobilité, on a analysé la mobilité de 1 mètre par seconde jusqu'à 10 mètres par seconde. Et c'est le cas dans le monde des capteurs. On ne peut pas trouver un capteur qui, parce qu'on n'a pas un véhicule, il marche sur le carburant. Alors, vous m'avez dit que la mise à jour se faisait toutes les 2 secondes. À votre sens, oui. c'est pas énorme, 2 secondes? J'ai pas entendu. Vous m'avez dit que la mise à jour, elle se fait toutes les 2 secondes. Et la question, c'est que 2 secondes, c'est pas énorme pour vous? C'est le mécanisme de l'OLSR. Hein. Donc, c'est le mécanisme de l'OLSR. On s'est basé sur le mécanisme de l'OLSR. Parce que sur chaque 2 secondes, c'est pas énorme du tout. Hein. Parce que si on a 10 mètres par seconde, 10 mètres par seconde, ça veut dire dans 2 secondes, c'est-à-dire le nœud, il va être distant de 20 mètres. Si on a une couverture de 100 mètres, le nœud prend par exemple 5 secondes ou 10 secondes pour cibler, bien sûr, l'itinéraire sous forme d'une droite, il prend 10 secondes pour sortir de ma zone de couverture. Donc c'est un protocole proactif, bien sûr, c'est la politique du protocole. On n'est pas dans le cas du AODV. Qui est réactif à la demande, on est dans le mode proactif, ça veut dire c'est un coût, bien sûr, mais il influence sur le routage. Donc, si je dois faire un routage, je le fais immédiatement parce que j'ai l'information à jour. Par contre, dans le cas d'un ODB, si la route elle n'est pas valable, je dois rétablir les
écoute, c'est un choix à faire, c'est un compromis entre réactif et proactif et hybride. Donc, c'est un problème très connu, dans, un phénomène très connu dans le monde. Ok. Autre question, c'est justement sur le champ réservé. Vous voulez utiliser en fait des champs en fait pour votre méthode. Et donc oui. Ma question, c'est comment on va faire pour la compatibilité. La compatibilité. Oui. Avec les autres. Et par exemple, j'ai pas envie de traiter en fait ces champs-là. Ça va marcher comment? Il n'y a pas de problème. Donc le champ, il est réservé. Dans le mécanisme, vous utilisez l'OLSR basique. Donc, ce champ, il est complètement négligé. Hein, donc, c'est un champ réservé, il n'est pas comptabilisé. Si vous utilisez la nouvelle version, donc vous allez prendre c'est-à-dire cette valeur. On a pris juste un octet, parce que c'est un pourcentage qui a la valeur de 0 jusqu'à 100, pourcentage de l'énergie résiduelle. Ça devient une compatibilité. Si vous travaillez sur l'OLSR classique, donc, vous basez sur le mécanisme d'OLSR basique et ce champ sera négligé. Si vous travaillez sur le WMO-OLSR, bien sûr, vous allez prendre cette valeur en considération pour le calcul des MPR. En quelque sorte, c'est le calcul des MPR, il est autonome. Hein. Chaque nœud, il calcule ses MPR d'une façon autonome. C'est-à-dire, si vous travaillez avec les deux versions en même temps, il y a une compatibilité. Donc, il n'y aura pas d'interférence entre... votre méthode et ceux qui l'utilisent. On a utilisé les mêmes paquets dans ce sens. C'est pour cela qu'on n'a pas. L'utilisation des paquets, ça ne pose pas de problème, mais c'est sur le mécanisme. Sur le mécanisme, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes en fait, au niveau optimisation? Non, du tout. On a essayé ça. Hein. Donc, on a essayé ça de faire des nœuds qui travaillent à l'ancienne version d'OLSR. Bien sûr, parce que l'OLSR, il est normalisé. Le fait de garder c'est un sujet c'est une question très, très pertinente. Donc, on a une compatibilité normale entre les deux versions et les deux versions qu'on a développées et la version IETF, c'est-à-dire RFC 3626 de l'IETF. Bon, allez, ça, vas-y. Ok. Est-ce qu'on peut aller au slide numéro 27, s'il vous plaît? Oui. Et les résultats de simulation. Voilà. Voilà, alors moi, ce que je voudrais vous… Alors, je crois que c'était même… Bon, peu importe, mais on va prendre on prend le packet loss, par exemple. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous avez une augmentation, en fait, du nombre de packet loss à un moment, donc sur vos résultats de simulation, et puis ça augmente, et puis après, ça diminue. Oui, ça augmente juste dans le début, parce que si on a une faible concentration des deux, en fait, ça n'a pas de. On a mentionné ça, on a dit que notre nouvelle version de OLSR, elle est très bénéfique dans les réseaux denses et à forte mobilité. Donc, en quelque sorte, si on a un très peu nombre de nœuds, et c'est pas bénéfique de surcharger le nœud pour ces calculs. Et en fait, la serre est nettement meilleure. Malheureusement, c'est pas le cas. On peut pas trouver un réseau de capteurs avec 20 ou 25 nœuds. Donc, en réalité, on peut trouver minimum des dizaines, des centaines et des milliers de nœuds dans un réseau de capteurs. Donc, en fait, ça ne nous a pas dérangé, ce mécanisme, parce qu'on connaît que dans le début, l'OLSR, il est plus performant parce qu'il est basé sur une heuristique qui essaie d'optimiser les routes maximum. Nous, on a touché dans le choix d'APR, c'est-à-dire qu'on va basculer vers des routes moins optimales afin d'optimiser l'énergie. Si Alors, vous en fait, regardez les c'était les pas.
Je suis retourné sur votre présentation. C'est le slide 27 de votre présentation PPT, celle que vous nous avez envoyée. Alors, c'est marqué, le titre, c'est WRE OLSR versus OLSR, où je vois un nombre de paquets qui chute considérablement autour de 0,5 avec un weight à 0,5. Et puis après, ça remonte. Donc, oui. On voit le nombre de choix. Oui, dans le nombre de paquets perdus. C'est ça qui m'a… Ici. Ouais, c'est ça qui… Alors, attendez, parce que je jongle entre les deux. Non, pas celui-là, le suivant, je crois, ou le précédent, les deux. Je ne sais pas si vous avez… Voilà, à droite, là, vous voyez, ça descend fortement. C'est là ? Ouais, à droite, le nombre de paquets perdus. Donc, vous voyez que ça décroît fortement autour de 0,5, et puis après, ça remonte. Donc, ça vient d'où, ce problème-là ? Vous le voyez ou pas ? Allô ? Richard, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, oui, Richard. Allô ? Richard ? Allô, allô, Richard ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très, très bien. Est-ce que vous pouvez répondre, Richard ? Bon, s'il ne peut pas, ce n'est pas grave. S'il ne peut pas, ce n'est pas, un gros problème. Allô? Richard? On l'a perdu. C'est un nœud qui est tombé. Problème d'équilibre de charge, là. Allô, Richard? Richard? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5. Ah oui, on entend bien, oui. Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur? Est-ce que c'est celui-là? Ah, là, on revoit la vidéo, là. Voilà. Allô ? Je pense que... Vous voulez poser une question sur ce gars-là ? Oui, il a déjà posé la question. Oui. Concernant le nombre de paquets perdus. Oui. Vous pouvez poser votre question, M. Jalal. Oui, vous êtes sur le slide numéro 27, non ? Oui. Alors, sur le nombre de paquets perdus, donc moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi j'ai une chute impressionnante, on va dire, du nombre de paquets perdus. C'est-à-dire, on a beaucoup moins de paquets perdus quand on est autour de 0,5, et puis après, ça remonte, quoi. On retrouve, on a une certaine stabilité autour de 200, on va dire, entre 150 et 200. Mais juste pour la valeur 0,5, on a une valeur on divise par 3, quoi, au minimum par 3, voire par 4, le nombre de paquets perdus, uniquement pour une valeur. Non, ce n'est pas uniquement pour une valeur, c'est un intervalle. D'ailleurs, Je suis désolé, tout le reste est à plus de 150, hein, alors que là, on est à 50. Hein. Oui, il y a un intervalle en fait. Parce que ici, on a fait beaucoup de 0,4, 0,45, etc. Parce que c'est... Alors, attendez, il y a plusieurs points entre 0,4 et 0,5, mais on ne les voit pas. Oui, donc ce n'est pas visible, mais c'est-à-dire en fait, on a un intervalle de 0,4 jusqu'à 0,7 qui est optimal. Mais la valeur la plus vue aux optimales, c'était 0,5. Et pourquoi ce serait 0,5 ? Pourquoi cette valeur-là ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi cette valeur-là permet en fait d'avoir une diminution impressionnante du nombre de paquets perdus ? Je ne sais pas, parce que en fait, on avait cette question-là, comment, quelle est la valeur la plus optimale du poids entre la réchabilité et l'énergie qu'on va prendre en compte lors de la calcul d'une nouvelle réchabilité. Donc, on n'avait pas un autre moyen, parce que c'est une heuristique, on ne peut pas démontrer ça mathématiquement. La seule, est-ce que vous m'entendez ? Oui, 5 sur 5. La seule solution était une solution expérimentale, c'est-à-dire il fallait c'est-à-dire varier W, hein, parce que W, c'est un nombre qui est entre 0 et 0,1. Il fallait varier W et voir l'influence
de la valeur de W sur les qualités services. En premier lieu, c'est les diagnoses. En premier, c'est les diagnoses. Donc, en quelque sorte, la diminution, on peut la, c'est-à-dire l'interpréter, parce que la diminution, elle est normale. Si on peut conserver plus de nœuds vivants, on a plus de routes utilisables et en fait, on a moins de paquets perdus. Hein. Parfois, si on a un nœud c'est-à-dire qui est mort, il va isoler toute une partie du réseau. C'est-à-dire un nœud mort, il peut causer un énorme nombre de paquets perdus. Si vous posez la question quelle est la signification mathématique, on n'a pas une démonstration mathématique. Ce n'était pas ma question. Non, mais ma question, c'est est-ce que vous êtes sûr de la valeur de 0,5? Est-ce que vous avez fait des tests sur d'autres configurations? Bien sûr. On a, on les voit pas. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. J'ai parlé dans le masque parce que on a avant de faire cette variation, chaque valeur, on a une moyenne. Chaque valeur 0,1 par exemple, elle est testée dans les différentes concentrations, ça veut dire dans les différentes configurations réseau en termes de concentration de 50 nœuds, 100 nœuds. Et chaque valeur, elle est testée pour les différentes vitesses de mobilité. De 1 jusqu'à 10 mètres par seconde. Et on a, parce que c'est difficile de paramétrer, parce que c'est un paramètre global. C'est pour cela, pour la deuxième approche, on a opté pour un paramètre dynamique et qui est autonome pour chaque nœud. Ici, on parle d'un paramètre global, c'est-à-dire parfois, ce paramètre, il augmente la qualité de service pour certaines parties du réseau et il diminue la qualité pour une autre partie. En quelque sorte, ici, c'est une moyenne. Hein, c'est une moyenne. Pour chaque valeur, on a testé pour les valeurs de concentration allant de 20 jusqu'à 100 nœuds. Et pour chaque valeur, on a testé des vitesses allant de 1 mètre jusqu'à 10 mètres par seconde. Alors, quelles sont les autres configurations que vous avez testées et qui vous permettent d'avoir ce même résultat? C'est-à-dire les deux configurations. Quelles sont les autres configurations? Les autres configurations, en quelque sorte, on a pour les concentrations, on a de 20 jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte 10 configurations, et on a 10 vitesses, c'est-à-dire 10 fois 10, on a 100 configurations différentes. Chaque concentration, on fait varier la vitesse de 1 jusqu'à 10 mètres. Et pour chaque concentration, on a utilisé 10 concentrations différentes, et 10 vitesses différentes, c'est qu'il nous donne 100 configurations différentes, c'est-à-dire 100 scénarios de mouvement et 100 topologies différentes. Ben, je trouve que c'est dommage que vous ne les avez pas mis, ces différents résultats. Est-ce que vous avez varié le nombre de nœuds? Oui, le nombre de nœuds, il est varié de 20 jusqu'à 100. D'accord. Et on a toujours la vitesse, elle est variée de 1 jusqu'à 10 mètres par seconde. Et on a toujours les mêmes résultats. C'est une moyenne. C'est pour cela qu'on a réfléchi. C'est une moyenne, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes résultats. C'est une moyenne, cette valeur, quelle est la moyenne de l'influence de cette valeur sur les différents. Sur un critère d'optimisation, ça n'a rien, ça veut rien dire une moyenne. On cherche un critère d'optimisation, on ne vous demande pas de trouver une moyenne, on vous demande de représenter en fait pour toutes les configurations que vous avez en fait simulé les résultats, et à partir de ça, on essaye de trouver l'optimum. Une moyenne, ça ne veut rien dire, une moyenne. Oui, parce que la moyenne, en quelque sorte, on part par le principe qu'on calcule un critère d'optimisation pour une configuration de nœuds. Oui. Si je fais la moyenne, surtout la moyenne, si vous le faites pour un nombre en fait de configurations, plus vous augmentez votre nombre de configurations, plus la moyenne ne veut plus rien dire. Il aurait fallu mettre en fait plusieurs configurations possibles, alors peut-être pas une centaine, mais je sais pas, une dizaine ou une vingtaine, et de voir à partir de la dizaine et de la vingtaine en fait quel est le critère qui est le plus pertinent, parce que je pense qu'en faisant varier en fait les paramètres, il doit y avoir en fait des variations qu'on va avoir dans votre dans le calcul d'optimalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
pour dire, je ne sais pas si je prends la vitesse, peut-être, vous voyez, peut-être plus que 0,55 que 0,48, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, vous auriez peut-être pu un petit peu affiner en fait, le calcul du W en fonction d'un paramètre de la configuration de votre de ce que vous voulez rechercher. Bon, c'est dommage parce que là, on voit, si vous nous avez fait une moyenne, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré voir en fait de manière plus microscopique les résultats pour. Et après, bien sûr, vous auriez pu faire une moyenne. Hein, vous nous auriez mis en fait toutes les courbes et qu'au final, vous mettez cette courbe en bleu en disant ben, voilà la moyenne des trucs, ça ne pose aucun problème. Donc après, c'est de dire bon, grosso modo, ce que vous avez dit, en moyenne, c'est 0,5 le meilleur critère. Ça, je ne suis pas contre. Mais ça aurait permis en fait pour voir en fait en fonction de quels paramètres quelle est la meilleure valeur que je puisse calculer. Mais peu importe, c'était juste une remarque. Bon, je vais arrêter parce que je crois que j'ai trop monopolisé en fait la parole. J'avais une question sur la sécurité, mais je vais la laisser à Ahmed. Ahmed, il va. Oh là là. Merci. Jalal. Oui. Jalal. Oui. Et Hicham, il a commencé à boire de l'eau, donc on va passer à… Oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Je te laisse la parole, hein. C'est ce que j'ai dit. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ça, merci bien, professeur Jalal. Donc, je passe à professeur, c'est pas Ben Mouammar, Badr. Badr Ben Mouammar. Est-ce que vous êtes avec moi, Ben Mouammar? Badr. Sinon, on passe à professeur Serouchni, Ahmed. Ahmed, oui, Ahmed Serouchni. C'est bon, est-ce que vous m'écoutez là, c'est bon? Maintenant, oui, on vous écoute. Très bien. J'ai oublié d'activer le… Il était en mode muet, donc c'est pas grave. Très bien. Donc, vous avez la parole, yallah, Badr, yallah. On revient à professeur Ahmed. Il n'y a pas de souci. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier donc, Monsieur Boukli Hassan, aussi Monsieur Laurence Pascal, de m'avoir invité à participer à cette soutenance. Bien sûr, expertiser ce travail. Je passe aussi le bonjour aux autres membres du jury qui sont connectés aujourd'hui, donc Monsieur Serhouchni et Monsieur Bneu Bneufman. Je félicite donc le candidat pour la clarté de son exposé. Donc, je pense même à distance, on n'a pas senti que c'est comme si c'était en présentiel. Donc, à part un petit moment où il y avait un petit problème technique, mais ça durait peut-être une seconde, deux secondes. Mais sinon, le reste, c'était impeccable. Donc, on a suivi la présentation, donc sans problème. Je vais… Pour les romans, est-ce que vous avez le PDF sous les mains, monsieur Bakhira? Oui, bien sûr. Très bien. Parce que je vais commencer, en fait, avec des remarques de forme. Avant et par la suite, j'ai quelques questions sur le fond. Oui. Très bien. Peut-être je vais commencer à partir vers la fin du document, c'est-à-dire le résumé. Le résumé. Donc, je pense selon le modèle qui est exigé peut-être par la tutelle ici en Algérie, il faut mettre les trois résumés avec les trois langues différentes sur la même page. Et je pense que, à mon avis, il ne fallait pas numéroter la dernière page concernant les trois résumés. Peut-être il faut réduire un peu le résumé pour avoir les trois résumés sur la même page. Bon, aussi peut-être il faut éviter les erreurs un peu visibles parce que le résumé, ça sera au dos du commo. C'est ce que ça sera visible par la suite pour la bibliothèque et tout. Comme par exemple les accents. Au résumé, donc l'accent pour le E, résumé. Donc l'accent, dans le document, je ne sais pas ce que c'est lié à la tech, mais souvent il y a un petit problème concernant les accents. En fait, les mots pour les accents. Oui, est-ce que vous avez remarqué ça par la suite? Oui. Oui. Sinon aussi, je ne sais pas, la quatrième ligne, aussi éviter les erreurs qui sont un peu visibles, le résumé, la quatrième ligne. Donc, nouveau type de réseau. Donc, nouveau type réseau. Donc, nouveau type de réseau. Donc, c'est une erreur qui est un peu visible dans le résumé. Sinon, dans la page 135.
C'est bon, les notations. Oui, oui. Très bien. Peut-être il faut mieux penser à les ordonner selon l'ordre alphabétique. Et si vous avez remarqué, la page 136, en fait, pour AODV, par exemple, il est visible deux fois dans le 130, dans le 135, AODV, le mot-clé AODV. Avec peut-être AODV, la première apparition, la parenthèse qui traîne avant le ad hoc. En fait, c'est la même remarque pour la page 136, le NS. Donc, l'abréviation NS. La page 136, donc le NS, il est aussi visible deux fois. Donc l'abréviation NS, elle est visible aussi deux fois et c'est pareil pour TCL. TCL, toujours la page 136. C'est bon ? Oui. Bon, c'est redommage comme ça sur la forme. Très bien, sinon pour les références, je pense que le document est riche en références bibliographiques, donc des références qui sont dans le domaine, et en plus c'est des références qui sont récentes. Donc j'ai vu des références de 2019, 2020, donc ça c'est bien. Donc pour un travail de recherche qui est un travail d'actualité. Sinon, toujours vers la fin, la page 118. La page 118. Très bien. Voilà. Donc, normalement, ça doit être conclusion générale et perspective. Donc, si vous avez remarqué le petit C après perspective. Oui. Donc, perspective. Donc, il manque un C pour le perspective. En principe, ça doit être conclusion générale et perspective. En plus, même pour le découpage à ce niveau, conclusion, perspective. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai rarement vu un découpage à ce niveau. Généralement, c'est la conclusion générale. Et par la suite, vous avez peut-être un paragraphe ou deux pour les perspectives. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste, en fait, c'est... bon, je suppose que c'est une erreur de frappe. Ça doit être... Donc, vous avez oublié un C pour perspective. Et ça doit être aussi conclusion générale et perspective. Donc, ça est corrigé pour la version finale. Très bien. Très bien. J'ai aussi une remarque concernant l'utilisation des abréviations dans le document. Par exemple, moi j'ai remarqué que c'est systématique. Quand vous utilisez par exemple qualité de service, vous dites toujours entre parenthèses QS. Donc si vous faites un contrôle F dès l'apparition de qualité de service, toujours entre parenthèses QS. Moi je pense qu'il fallait mieux utiliser peut-être qualité de service entre parenthèses QS dès le début du document et par la suite utiliser l'abréviation QS dans le reste. Mais si vous avez remarqué le rapport, en fait toujours c'est systématique. Vous avez qualité de service entre parenthèses QS. À peu près dans tout le document. Très bien. Donc ça concerne la fin du document. On peut aller maintenant vers le début, donc la table des matières. Donc c'est toujours les remarques de forme. Très bien. La table des matières, j'ai l'impression qu'il y avait un petit souci concernant la tech. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, à titre d'exemple, par exemple, dans chapitre 1, très bien. On peut aller dans la table des matières. Bon, je suis désolé parce que je suis en train aussi de parcourir le PDF pour se localiser. Ouais. Très bien. Table des matières. Donc, le chapitre 1. Le chapitre 1. Très bien. Juste pour la conclusion, peut-être ici, c'est bon, je ne sais pas, peut-être c'est lié à la tech, mais pour la conclusion, en fait, on ne voit pas la numérotation, le 1.4. Aussi pour chapitre 2, le chapitre 2. Très bien, si vous avez remarqué, c'est le même problème. Le 2.3, en fait, ici, la conclusion, elle n'est pas du tout visible dans la table des matières. Ça doit être normalement le 2.3 dans la table des matières. C'est le même problème pour chapitre 3. Donc, je pense que ici c'est visible. Très bien. Ça doit être peut-être le 3.13. Donc, la conclusion visible, mais pas la numérotation de cette section, la conclusion. C'est bon ? Monsieur Belkhira, c'est bon ? Allô ? Oui, j'ai noté. Est-ce que vous avez noté les remarques de Monsieur Bader ?
En fait, le travail, c'est très intéressant. C'est par conséquent que, bon, je l'ai lu dès le début. J'ai essayé de voir à peu près où les petites erreurs, comme ça. Sinon, on sait dans la page 1, par exemple. Dans la page 1, le contexte général. En fait, quelque part, pour la citation sans fil, par exemple, la deuxième ligne, quand vous dites « forte croissance des technologies sans fil », parfois, vous avez le « S », qui est lié à fil, ça devient son fils. Donc, c'est la deuxième ligne. Enfin, il faut corriger cette erreur. Deuxième ligne. Ouais. Aussi, troisième ligne, toujours le contexte général. Par exemple, entre les individus en principe et les objets. Donc, vous avez les qui manquent. Très bien. Bon, aussi, une erreur le contexte général. Donc, la ligne 6, désir automatiser le fonctionnement. Peut-être, c'est, il y a un espace pour le mot fonctionnement. Fonction, espace, après vous avez le nom. Bon, peut-être plus loin, la page 3. Au niveau de la contribution, bon, c'est des petites erreurs comme ça, comme par exemple la phrase « le première approche ». Donc, je suppose que c'est une erreur de frappe. La première approche, le chapitre 1, très bien. Après, vous dites toujours la page 3, le chapitre 2, peut-être utiliser aussi des espaces entre chapitres et les numéros des chapitres, comme chapitre 2. Aussi dans la page 4, donc le chapitre 3, utiliser un espace entre chapitre et 3. Le chapitre 4, aussi peut-être un espace entre chapitre et 4. Très bien, c'est toujours concernant la forme. Alors, par la suite, je pense qu'il y avait un petit souci concernant le LaTeX. Donc, à partir de la page 7. La page 7, par exemple. Dans la page 7. Je ne sais pas, pour le 1.2, les réseaux sans fil. Et par la suite, en principe, c'est un titre qui n'est pas visible dans la table des matières. Par contre, ici, il est numéroté le 1.2.0.1. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Monsieur Belkhela. Oui, oui, oui. C'est bon? Parce que c'est visible dans la page 7, la page 8, la page 9, la page 11. Donc, c'est des titres qui ne sont pas visibles dans la table des matières, mais qui possèdent des numérotations un peu... on va dire, je pense que c'est lié à l'utilisation de la texte, vous n'avez pas fait attention. Donc, par exemple, ici, le 1.2.0.2, type de réseau sans fil 1.2.0.3. Donc, ça, c'est à régler pour la version finale. Oui. Bon. Très bien. Sinon, pour le chapitre 1, je pense qu'il était bien rédigé. Donc, vous avez fait à peu près une synthèse sur les réseaux sans fil. Donc, vous avez présenté les WPAN, les WLAN, WMAN, WAN. Pourquoi pas aussi les WRAN, la norme I3E802.22. Pourquoi vous n'avez pas pensé aussi à la présenter? Les réseaux sans fil régional, les WRAN aussi. La norme 802.22. Je pense à ce chapitre, on peut aussi dire un petit mot concernant cette norme. Ouais. Très bien. Bon, je vais aller un peu plus vite. La page 46, donc toujours concernant la forme. La page 46, donc le document. Très bien. Alors, concernant la page 46, donc je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le 3.1, introduction. Et le 3.2, définition de la qualité de service, en fait, c'est le même contenu, sauf pour les citations. Vous avez pour 3.1, la qualité est une notion subjective, évolutive. Après, c'est en fait, c'est le même paragraphe. Il y a que les références qui sont un peu différentes. Donc, par exemple, pour le 3.1, vous citez Centaine 2005. Et par exemple, dans le 3.2, c'est Nguyen et Minette 2007. Mais sinon, le reste, je pense qu'il y avait un petit souci à ce niveau, le 3.1 et le 3.2. Hein? Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, oui. Oui. Parce que c'est le même contenu, le 3.1, 3.2, c'est le même contenu. Je pense que c'est un problème de mise à jour. Parce qu'il y a uniquement la référence qui change. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. Oui, il y a l'introduction qui est. Très bien, parce que j'ai pensé à ça. C'est ça le... Ouais. Il y a la production qui n'est pas intégrée ici, oui. Très bien. Donc, c'est le problème de l'introduction. Parce que sinon, le reste, c'est un copier-coller. Oui. Avec une mise à jour pour les références. Donc, pensez à régler l'introduction du troisième chapitre. Très bien.
Bon, je vais. Moi, page 49, ce n'est pas la peine. Page 75, très bien. Je vais aller directement à la page 76. Très bien. Donc, la page 76. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, la page? Je pense ici pour la formule, le 4.1, c'est le N1I, pas le N1X, non? La page 76. Oui, oui. Parce que c'est les voisins, c'est, en fait, là, vous parlez des voisins à un seul son et les voisins à deux sons. Je pense que c'est une erreur de phrase, c'est le N1I, pas le N1X. Bon, l'étoile qui étreint, je pense que c'est aussi une erreur de frappe à la fin de la formule 4.1. Oui. Très bien. Si on la page 77. La page 77, en fait, là, vous parlez d'une complexité. La page 77. Oui. À certains moments, vous citez le taux de M2. Donc, je suppose que c'est le taux de M au carré, c'est ça, pas le M2. La complexité. La page 77. 77, oui. Je n'arrive pas à me fouiller. Mais... En fait, vous parlez d'une complexité. En fait, c'est... attends, la page 77. Vous dites que l'avantage de cette heuristique réside dans sa rapidité, même pour les réseaux de grande densité, d'une complexité de l'ordre de taux de M2. Donc ça, c'est M au carré, pas le M2. Oui, la complexité. Taux de M, oui. M au carré. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Hein, c'est bon, c'est monté? Donc c'est M au carré. Très bien. Oui. La page, toujours fait dans ce contexte, donc concernant toujours la forme, la page 78. Donc, la page suivante. En fait, dans le pseudocode, très bien, vous avez les entrées, les voisins à un seul saut, les voisins à deux sauts. Par la suite, l'étape 1, vous avez une affectation 1, 2, 2, i est égal à 1, 2, 2, i. Oui, l'étape 2. L'étape 1, la première instruction. En fait, vous avez le 1, 2, 2, i qui est égal à 1, 2, 2, i. Ça sert à quoi cette affectation? Il reçoit, c'est-à-dire, initiation du voisinage. C'est-à-dire, on va faire une mise à jour. Parce que c'est déclaré aussi dans les entrées. Donc, vous avez comme entrée le 1, 2, 2, i. Après, vous utilisez la variable 1, 2, 2, i pour l'affectation, c'est ça? Parce que l'affectation me paraît un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est comme en orienté objet, par exemple, je fais le this.i reçoit i. Oui. Je ne sais pas. Donc ici, le 1, 2, i est égal à 1, 2, i, c'est correct. Donc ce n'est pas une erreur. L'affectation 1, 2, i est égal à 1, 2, i. C'est correct? Ah, je suis dans l'algorithme. En fait, c'est une initiation. C'est l'affectation. Pour moi, c'est une entrée. Par la suite, c'est comme si, je ne sais pas si. 1, 2, 2, i est égal à 1, 2, 2, i me paraît un peu bizarre, mais bon. Si ça existe dans le code de base, code basique. Je vais vérifier ça. Bon, c'est une initialisation. En fait, c'est une initialisation. On attend un paramètre 1, 2, i. Et on va initialiser notre c'est-à-dire variable locale. En fait. Ah. OK, très bien. Pas de souci. Bon, la page 84, je pense qu'il y avait une référence qui a traîné dans la page 84 à prendre en considération. Parce que je pense ici, c'est un problème de version. Vous avez un crochet, la page 84. Oui. Vous avez dans le 4.6.3, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la dixième ligne. Vous dites oui. Dans le 108. Ah oui. Oui. Donc, je suppose que ça, c'est l'ancienne version des références. Oui, on a dans le 108. Très bien. Oui. Bon, par la suite, la page 85. C'est aussi une petite erreur de frappe à corriger. Durée de vie basée sur D, les exigences. Le titre 4.6.4. Oui. Le titre, donc la page 85 pour le titre 4.6.4. Durée de vie basée sur D, les exigences de qualité de service. Donc le D et le L qui traînent. Bon, il y avait aussi un problème, des erreurs liées aux citations dans la page 87. La page 87. La page 87. Exemple, je ne sais comme ça, c'est la ligne 13, par exemple, Clausen 2003 Optimized Fig.
par exemple, la ligne 18, Boussan 2005 analysis, la ligne 26, Caillon 2000, multipoint. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le Président, si c'est possible. Oui. On ne peut pas laisser ces questions qui sont des questions pertinentes de correction à plus tard. Je pense que ce serait plus judicieux et plus efficace. C'est des corrections nécessaires et utiles, mais elles peuvent se faire hors canal avec le thésard. Désolé, hein, mais sincèrement désolé d'intervenir. Je suis tout petit devant vous, mais je pense que ce genre de remarques importantes peuvent se faire et doivent se faire, mais hors canal, quoi. Parce que si on passe en revue point par point, moi aussi j'ai je pense Jalal, une remontée sur le manuscrit qui sera utile et nécessaire, mais on peut le faire hors canal. C'est comme vous voulez, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire C'est la coutume chez nous, c'est juste les remarques de. C'est pas méchant. Oui, mais ça peut durer très longtemps. Non, je vais terminer, c'est bon, parce qu'il me reste combien ? C'est quelques. Monsieur le Président, sur le... Okay, je m'incline. Je m'incline. Il y a pas de souci. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ben, pour moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez qu'on laisse ça plus. Ça va pas, Badr, si ça ne va pas prendre beaucoup de temps, donc tu peux terminer. Donc... Non, je suis vers la fin, parce que c'est vers la fin, il n'y a pas de problème. Si vous voulez. Yallah, tu peux terminer. Eh bien. Non, mais Ahmed, c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils font en Algérie. Hein, donc, il faut pas. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas habitué à voir ce genre de. Désolé, sincèrement désolé. Hein. Parce que c'est la coutume, même boucler l'assisté chinois à Tlemcen, c'est la coutume, on fait ça, il n'y a pas de problème. C'est... Hein sincèrement désolé d'être intervenu. C'est pas grave. C'est quand vous voulez, c'est le président qui décide. Moi, je suis examinateur chez moi. Professeur Badr, vous pouvez terminer. Très bien. Donc, si on peut aller vers la page 92. La page 92. Très bien, je pense uniquement pour la formule 4.9. Le F de W. Normalement, c'est l'inverse. 1 moins W sur W, c'est ça ? Oui, exactement, oui. 1 moins W sur W, très bien. Bon, je pense que c'était la dernière remarque concernant la forme. Mais sinon, le reste, c'est-à-dire les trois premiers chapitres concernant l'état de l'art, l'art bibliographique, donc il n'y a rien à dire. Le rapport, il était structuré. Il fallait uniquement mentionner ce type d'erreurs qui peuvent apparaître comme ça pour améliorer la version finale du rapport. Très bien. Sinon, concernant le fond du travail, donc la page 94 toujours. Très bien, je vais aller vers la figure 4.9. Oui. Très bien. Alors, ma question, c'est la suivante. Donc, ici, je n'ai pas vu, en fait, le contexte de simulation. Pour ce type de simulation, est-ce que vous n'avez pas un benchmark ? Pas entendu. Est-ce que vous avez un benchmark Monsieur Belkhaira, c'est-à-dire pour l'évaluation des performances. Donc, vous avez utilisé des métriques. Donc, vous avez varié le paramètre W et par la suite... Vous avez un ensemble de métriques de qualité de service. Très bien. Oui. Ma question, c'est la suivante. Par exemple, dans la figure, le 4.9, oui. Le dead node ou bien les nœuds épuisés. Par exemple, ici, je vois que, je ne sais pas si AW est égal à 0,1, le dead node, il était à 40. Ici, par exemple, il y avait combien le nombre de nœuds? Le nombre de nœuds que vous avez utilisé pour cette simulation. Est-ce que c'est un benchmark ou bien vous avez proposé vos propres paramètres? Non, on a... pas... En quelque sorte, c'est une moyenne par rapport au nombre de nœuds. C'est la même question qu'il a posée M. Jadal. Donc, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'on a fait pratiquement 100 simulations sur différentes topologies, différentes vitesses, différents nombres de nœuds. Et on a pris une moyenne par rapport à l'ensemble des simulations ou l'ensemble des résultats. Non, mais ici, le nombre de nœuds, par exemple, dans le cas de W est égal à 0, de 30 nœuds épuisés. Ici, le nombre de nœuds total, c'est combien? Ça veut dire quoi, une moyenne? Vous voulez une fraction, ça veut dire sur séquence. Hein? J'ai pas entendu la dernière phrase.
Oui, le nombre total était de 100 nœuds par seconde. Très bien. 100 nœuds, pardon, 100 nœuds. Donc ici, finalement, le nombre de nœuds épuisés ou bien le pourcentage, c'est la même chose parce que vous êtes parti sur 100 nœuds, c'est ça? C'est bon, Bréhéra? C'est bon? Allô? Je n'entends rien. Très bien. Hicham? Hicham? Hicham, c'est bon? Hicham? Est-ce que vous êtes avec nous, Hicham? On vient de le perdre, je pense. Hein? Hicham? Oui, oui. Vous avez entendu ce que a dit le professeur Badr? J'ai Hicham? Pas entendu. Oui, j'avais un problème de son. Ah oui. En fait, si j'ai bien compris, pour ce que vous avez utilisé son nœud, donc finalement le nombre de nœuds épuisés, c'est aussi le pourcentage, c'est ça? Oui, c'est un nombre de nœuds par rapport à un pourcentage. C'est 20%, c'est 30%, 40%. Très bien, donc il n'y a pas de souci. Le 4.10 peut être uniquement pour le titre, c'est-à-dire l'impact de W sur les paramètres de la qualité de service, parce que ici le 4.10, c'est uniquement sur les packet loss, ce n'est pas uniquement sur les paramètres. Packet loss, très bien. Aussi, dans le même contexte, donc la page 79, 97, très bien. En fait, c'est toujours le même contexte. Ici, par exemple, quand vous allez calculer en fait le nombre de nœuds épuisés, vous allez arrêter la simulation au niveau de 100 secondes, c'est ça? Oui. Très bien. Vous êtes dans la même page, parce que je me suis perdu un petit peu. Donc vous êtes dans la même page. Quelle page, professeur Ben Mamad? 97. 97, ou c'est une question globale, pas besoin de se localiser. En fait, c'est juste pour les paramètres de simulation. Quand vous avez calculé en fait le nombre de nœuds épuisés. Avec le son. Concernant le nombre de nœuds. Toujours dans la même page. Non, 97. Le 97. En fait, ça concerne par exemple le calcul du nombre de nœuds épuisés. Allô, est-ce que vous me... Hein? Hicham? Allô? Badr? J'écoute 5 sur 5. Mais 5 pour Hicham... Hicham, est-ce que vous êtes avec nous? Hicham, allô? Est-ce que vous nous entendez, Hicham? En attendant, Jaël, tu pourrais m'envoyer ta signature sans le tampon, en attendant. Ok, je te le fais tout de suite. Allô? Allô? J'écoute le président, par contre, je pense qu'on a perdu le candidat, non? Oui, je pense. Pascal, tu as ma signature, hein, tu n'as pas besoin... Et c'est bon, je l'avais, ouais. Bon, merci. Tu vas bien, Pascal? Ça va. Bah, ça fait plaisir de vous retrouver tous, Jalal, toi-même. Et donc, j'ai vu qu'il y a la première version du rapport qui circule en attendant. Il est peut-être revenu? Non, il n'est pas revenu. On peut peut-être en attendant discuter sur le rapport, le faire circuler à tout le monde. J'ai vu que le président a rédigé un rapport de soutenance déjà. On le fait circuler, et puis si tout le monde est d'accord, ça permettra d'accélérer pour la suite. Oui, c'est bien. Donc, tu l'as reçu ma signature, Pascal, ou pas? Je te l'ai envoyé. Hein. Allô? Toujours pas, non, je n'ai toujours pas la signature. Hein. Bah écoute, vérifie, je te l'ai envoyé sur ton adresse I3E. Maintenant, si tu veux que je te l'envoie sur une autre adresse, tu me le dis. Hein. Ouais, c'est pas arrivé, mais envoie là peut-être mon adresse Gmail, je ne sais pas pourquoi, Gmail, ça n'arrive pas. D'accord, ça marche.
Eh bien, alors, on a perdu le candidat, c'est ça? Je pense. Hein? Oui, oh, oui, je pense. Oui. Je sais pas. C'est comment? Boucli. Boucli, viens. Si tu peux contacter le candidat directement. Oui, je l'ai contacté, donc ils ont un petit problème technique. Oui, ils vont régler ce problème maintenant. Monsieur Badr a épuisé toute l'énergie de... Non, c'est pas ça. Je pense que c'est Monsieur Jalala. Vous êtes Badr. Le seul choqué parce que les autres, je pense qu'ils sont habitués à ce type de questions. Badr. Laissez le microphone, Nishan. C'est haram, ça, c'est pas halal, ça. Ah. C'est quoi, ça? C'est quoi, tu passes à la virgule, au point, la page? Oh. Mais c'est une habitude pour moi, hein. Je ne sais pas. Il faut la changer. Ah bah oui, je crois. Non, mais Ahmed, je peux t'assurer que j'ai fait plein de jurys en Algérie, c'est comme ça. Il faut... Oui, même si tu as compté l'assistant avec nous, c'est pire. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Moi, ma mère, elle est de Tlemcen, hein. Il faut que ça change. C'est pas parce que c'est la coutume qu'il faut la garder. Ah, Soufiane, par exemple, il fait pire. Soufiane, il va lire le rapport. Non, sincèrement, c'est nous qui faisions les règles. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous, membres du jury. C'est pas parce que c'est la coutume qu'il faut les garder. Je pense que c'est des choses importantes, nécessaires. Et même en France, on demande à ce qu'il y ait les corrections avant la publication. Et on met en place une ou deux personnes qui supervisent les corrections. Et ça se fait très, très bien. Hein. Mais c'est un travail important que tu as fait. Donc, il faut donc, le faire, mais bon, mais hors canal, je pense que c'est mieux. Mais bon, c'est un détail, sincèrement. Peut-être, je ne sais pas. Avec tout le respect, hein, je ne sais pas. Pas de souci, là aussi. Ça me permet d'échanger avec toi. Ah, il n'y a pas de souci. Donc, si on est là, c'est qu'on est prêt à toutes les critiques, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas une critique. Peut-être des consignes avant. Et c'est ça. C'est... Parce que nous, c'est la coutume. Même Soufiane, quand il vient chez nous, c'est. Soufiane, c'est pire, hein? Il lit le rapport 10 fois, il fait oui, son oui, c'est ça. C'est ça. Tu te venges là alors. Tu te venges. Non, c'est ça. Soufiane. Non. Je t'ai envoyé. Je pense que Hicham, il est en ligne. Hein? Il est en ligne Soufiane. Oui, il est en ligne. Je t'ai envoyé une version du PV. C'est possible de la partager parmi les membres du jury. Ok, je vais la diffuser maintenant. Au revoir. Eh bien. Hicham, est-ce que tu es avec nous? Hicham? Ya Allah. Oui. Hicham? Ah, c'est bon, j'ai bien. Hicham, c'est bon? Oui. Badr. Très bien, donc je vais enchaîner avec juste deux petites remarques concernant le fond du travail. Donc, la première remarque concerne le choix du 5%. Ça veut dire les nœuds ici, c'est des nœuds, je suppose, homogènes, c'est ça? Donc, le choix du 5% pour l'énergie. 5%. Parce que ça peut être, par exemple, je ne sais pas, le 5% d'un nœud, ça peut être le 10% d'un autre nœud, ça peut être le 15% d'un autre nœud, et ainsi de suite. Oui, donc, sur quelle base, vous avez choisi le 5%, pourquoi ce n'est pas 10% ou bien 15%? Oui, on a fait ça sur les perspectives. Parce qu'il fallait, parce que l'énergie résiduelle, en quelque sorte, elle n'est pas exprimée en capacité en joules, mais en pourcentage. Mais le pourcentage, ça dépend de la capacité de la batterie. Exactement. 5%, ça peut être 50% de notre batterie. Exactement. C'est... Mais il fallait c'est-à-dire fixer un seuil pour déclarer un nœud mort. Il conserve son énergie seulement pour ses propres activités. Donc, il ne va pas contribuer dans la communication. C'est-à-dire, dans la littérature, ce n'est pas exigé, ce 5% dans les travaux. Le seuil 5%, c'est votre proposition. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans la littérature. Il y a un seuil. Soit vous déclarez un nœud mort jusqu'à l'épuisement de son énergie totalement, soit il va conserver un petit seuil pour son propre fonctionnement. Peut-être, c'est-à-dire pour nous indiquer son emplacement ou quelque chose,
mais c'est pour ça en quête, j'ai mis dans les perspectives de revoir ce seuil de déclaration d'éléments. Très bien. Aussi, peut-être la dernière question concernant le choix du paramètre. Par exemple, la durée de la simulation en 100 secondes et l'énergie initiale en 100 joules. Donc, par exemple, je donne un exemple. Si je fixe la simulation à 100 secondes, peut-être à 100 secondes, j'aurai 50 nœuds épuisés. Peut-être 1 vaut en 90, peut-être, je ne sais pas, j'aurai moins de nœuds épuisés. Et peut-être juste après, à 105 ou bien à 110, au lieu d'avoir 50 nœuds épuisés, peut-être je vais passer, je ne sais pas quoi, à 70, ou bien à 110, ou à 120. Donc, le choix aussi de choisir le 100 secondes pour arrêter la simulation et calculer le nombre de nœuds épuisés, et aussi le choix pour fixer l'énergie initiale, les 100 joules. C'est bon? Oui, oui. Alors, en quelque sorte, il fallait fixer une énergie initiale parce que le travail maintenant, c'est-à-dire le troisième travail qu'on est en train de préparer, c'est de faire en quelque sorte une répartition aléatoire. Quand on travaille dans un environnement de simulation, il faut fixer ces paramètres-là afin de pouvoir lancer votre simulation. Donc maintenant, on pense à faire une attribution aléatoire des nœuds. On a supposé que tous les nœuds ils sont uniformes, ils ont la même énergie initiale. Mais pratiquement, dans la réalité, on peut trouver... on peut trouver le cas où on n'a pas l'évolutivité de ces nœuds-là en termes énergétiques. Oui, vous avez raison. Monsieur Baudre, est-ce qu'on a perdu encore Monsieur Baudre? Ben Mohamed Baudre. Professeur Ben Amar, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'on vient de perdre encore Monsieur Bader. Ben Amar, Bader. Sinon, je donne la parole à professeur. C'est Rochni Ahmed. En attendant. Oui? Oui, merci. Vous, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la vidéo. Voilà. Je pense. Comment ça? Ok. Ah, c'est bon. Je ne suis pas dans. Je suis pas chez moi, donc j'ai dû partir loin pour avoir. Je à vous la parole, donc, monsieur. Monsieur le Président, je m'excuse d'être venu en retard. Et je me suis rattrapé, sincèrement désolé. Mes conditions n'étaient pas optimales pour être avec vous dès le début. Sincèrement désolé. Tu ne m'excuseras pas, Stal, d'avoir été en retard. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié les travaux de Sid Ahmed, qui a fait vraiment un travail qui me semble être... d'un excellent niveau. Hein. Bon, bien sûr, il y a toujours dans le manuscrit des petites corrections à faire, mais ça, c'est le commun de nous tous. Hein. On a tous des corrections à faire après une rédaction quelconque. Hein. Je pense que M. Badr fait très, très bien son travail et personnellement, je tiens à le remercier en mon nom, bien sûr, en notre nom à tous. Je remercie beaucoup, beaucoup Jalal parce qu'il m'a permis de replonger dans la thèse par ces questions qui m'ont vraiment permis de bien situer le contexte. Et Sid Ahmed, bien sûr, par ses réponses, qui m'ont aussi bien encore plus éclairé sur ces travaux que j'avais lus. Hein. Le travail accompli me semble vraiment correct au sens contribution. Il y a de véritables contributions et une très, très bonne réflexion. Quelques petites remarques, je dirais, je suis un petit peu, il m'a tâtonné sur la sécurité, Jalal. J'ai vu les références que tu donnes, Sid Ahmed, qui sont excellentes, hein, tu donnes de très très bonnes références. Et au début, tu cites plus les thèses
canadien que les thèses françaises ou algériennes. Alors que j'ai participé à des jurys de thèses, notamment chez Beddash à Alger, où le problème de l'énergie a été vraiment bien traité. Donc, je pense qu'il y a des références, mais bon, tu as déjà suffisamment de références. Mais peut-être que aussi quand on rédige, on a des références et on ne les met pas en bibliographie, même si on les a lues. Donc, c'est aussi notre commun à tous. Donc, ce n'est pas, une critique, hein, loin de là. Hein. C'est plus pour dire qu'il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Et s'il y a beaucoup de travaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Et ça veut dire que les contributions sont toujours aussi le bienvenu. Bon, ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, j'ai beaucoup apprécié les choix que tu as fait pour mettre en œuvre cette problématique de préservation de l'énergie, notamment en utilisant les champs auxquels tu donnes une sémantique. C'est une excellente approche que tu as faite par rapport à ce que tu... Donc, en parallèle, je parcours... J'essaie de retrouver les pages où j'étais tout à l'heure par l'usage des champs réservés. Il y a eu une thèse, je me rappelle, c'était en 2005 ou 2004 ou 2003. C'était une thèse dont j'étais rapporteur avec Anna Cavalli. Il y avait Jacquet, c'était une thèse de Paul Multaler. Il est impliqué dans la conception hein, de OLSR. Il y avait Philippe Jacquet, il y avait François Morin de l'IX, il y avait Bacelli, et Anna et moi, on était les rapporteurs, et il y avait qui d'autre? Je ne me rappelle plus. C'est la mémoire. Hein. Et c'était Daniel Raffo, si je me rappelle bien, le thésard. Et il y avait les problématiques qui étaient posées, c'était essentiellement ceux de la sécurité, mais il avait également sous-entendu les problèmes d'énergie, sans y aller vraiment... En fait, ce que je remarque, c'est que les gens qui parlent énergie ne parlent pas sécurité, les gens qui parlent sécurité ne parlent pas énergie. C'est un peu dommage. Parce qu'on peut mettre les deux dans le même panier. Par exemple, quand tu émets tes paquets, j'ai vu la structure de tes paquets où tu donnes des informations sur l'énergie. Ne penses-tu pas que ces informations peuvent être utilisées à mauvais escient par un attaquant? Oui, exactement. Peut-être qu'il fallait, même si tu ne le traites pas, ce n'est pas grave parce que tu ne peux pas tout faire. Toi, tu t'es focalisé sur une chose. Même si tu ne le traites pas, tu peux juste suggérer ou pointer. Et tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Mais peut-être qu'il y a des choses à ne pas dire dans les messages pour préserver, ne serait-ce aussi que pour aussi les problématiques d'optimisation. Dans les problématiques d'optimisation, peut-être qu'il y a, c'est une question que j'aurais pu te poser, que je te pose indirectement, je ne te demande pas de réponse. Peut-être qu'il fallait voir dans les différentes fonctionnalités de OLSR, identifier les fonctionnalités qui consomment le plus d'énergie, de se focaliser sur cela et de faire diversion avec les autres. Peut-être que d'envoyer des informations dans ces champs réservés, ne serait-ce que pour faire de la, comment on appelle ça ? De la diversion, d'accord? Ça peut être judicieux. Je pense que tu as la capacité de rajouter une dimension sécurité par le fait que tu maîtrises bien le protocole, que tu as vu l'utilité d'utiliser ces champs réservés et que tu disposes de ce potentiel. Peut-être que dans tes perspectives, tu devrais mettre ça. Oui, ça, oui. Ça peut ouvrir une nouvelle voie qui peut être intéressante d'intégrer cette problématique de sécurité dans la cause. Il me semble, hein, et ça peut être une des perspectives, et sincèrement,
au vu de tes réalisations, tu as largement le potentiel. Ça te permet de lancer un axe de recherche au sein de l'équipe où tu te situes pour continuer dans cette foulée, à voir ce qu'on peut tirer au maximum de ces champs réservés. Et, bon, j'ai des questions à te poser sur les données que tu mets exactement, même sur, des fois je vois, à un certain moment dans les messages, tu choisis de placer les données à un endroit donné. Pourquoi ? Pourquoi, par exemple, tu n'as pas utilisé, même pour l'énergie, pourquoi tu n'as pas utilisé les filtres de Bloom pour faire une optimisation ou une agrégation des données ? Tu vois, il y a des choses, bien sûr, toujours à améliorer. Je peux te poser plein de questions mais je pense qu'on pourra continuer à échanger entre nous après pour voir un peu comment on peut peut-être travailler ensemble, peut-être. Et plus c'est affinité. Hein. Mais bon, je vois que tu es parbu, peut-être pas. Mais bon, non, je rigole. A priori, la seule question que je. Peut-être, comme on doit te poser des questions, c'est. Est-ce que tu as vu d'une manière, je dirais pas précise, mais suffisante, les fonctionnalités de OLSR qui consomment le plus d'énergie, sur lesquelles il faut se focaliser? Est-ce que tu as vu de la nécessité peut-être de ne pas faire certaines annonces pour préserver certaines routes au détriment d'autres? C'est des questions basiques, hein, mais je suis sûr que tu as déjà réfléchi à ces aspects-là. Est-ce que tu peux, d'une manière plus, peut-être pour moi, hein, j'essaye de comprendre aussi, pédagogique, expliquer ta démarche de choix au niveau des annonces pour la problématique d'optimisation de l'énergie. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a conduit d'une manière simple à faire certaines annonces d'énergie au détriment d'autres ou pas du tout? Est-ce que ma question est précise ou... Oui, je pense que j'ai bien compris votre question. Donc, je vous remercie pour avoir mis le doigt sur la question de sécurité. En quelque sorte, il y a un problème crucial de sécurité et c'est celui que, c'est-à-dire le nœud, il déclare sa propre, c'est-à-dire énergie. Il n'y a pas une vérification de, c'est-à-dire d'exactitude de l'information fournie par le nœud. Bien sûr, c'est notre volet de il se peut qu'un nœud, c'est-à-dire un malveillant, va déclarer une énergie importante pour être un PR et bien sûr pour être au centre du réseau pour intercepter les différents paquets qui passent autour de lui. Parce que on a réfléchi à ça, mais il faut travailler dans des mécanismes de vérification de, par exemple, si CNE nous déclare 50% de son énergie, après il va déclarer 80%, il y a un problème. Donc, pour question de sécurité. Pour le champ réservé, on a essayé, comme j'ai dit dans la présentation, on a essayé de faire une intervention chirurgicale. L'OLSR, il est déjà implémenté, il est déjà normalisé. On n'a pas voulu toucher dans le mécanisme d'ajouter des paquets, de modifier des paquets, pour ne pas avoir ce problème de compatibilité. Parce qu'on ne peut pas obliger tous les nœuds à passer vers notre version de OLSR. C'est-à-dire on peut avoir une compatibilité entre les deux. En quelque sorte, j'ai essayé d'ajouter l'information dans nos champs réservés pour ne pas engendrer un overhead supplémentaire. C'est un. Deux, l'information, j'ai essayé d'intégrer une information minime et significative, c'est-à-dire le pourcentage de mon énergie résiduelle. Ça concentre un octet et elle a une grande influence que vous avez vue sur les graphes. Donc, une simple information qui est partagée, mon pourcentage d'énergie. Donc, je suis bien situé, j'ai beaucoup de connexions,
mais je n'ai pas assez d'énergie pour vous servir. Vous pouvez basculer vers un nœud moins optimal, hein, mais qui a plus d'énergie. Donc, comme quoi, comme ça, vous allez me préserver en tant que nœud dans le réseau. Et malgré que je ne joue pas le rôle d'un MPR. En quelque sorte, j'ai essayé de faire des modifications minimes pour ne pas bouleverser tout le mécanisme d'un MPR, parce que, par contre, de OLSR. Parce que l'OLSR, c'est un protocole assez complexe. Oui, oui. Et de focaliser sur la sélection des MPR, parce que la sélection des MPR, en quelque sorte, c'est la cause numéro un de l'épuisement des énergies. On a les premières énergies qui sont, les premiers nœuds qui sont épuisés, c'est les nœuds qui sont épuisés en tant qu'MPR. Parce que l'émission des paquets, la réception des paquets, c'est le responsable numéro un de l'épuisement de la batterie. C'est pour cela qu'on a focalisé sur la cause principale. On peut bien sûr voir d'autres causes qui contribuent dans l'énergie. En quelque sorte, notre thématique était la qualité de service. La conservation d'énergie pour nous, c'était un outil pour garantir la qualité de service. Garder le plus grand nombre de nœuds nous a permis d'avoir d'être confortable dans le routage et de garantir le maximum des critères de qualité de service. C'est ça. Peut-être qu'il ne fallait pas, pour les garantir et pour assurer une certaine résilience, peut-être qu'il faut enlever certaines annonces, que les faire. Il y a des annonces qu'on peut ne pas faire pour préserver certaines routes qui manquent d'énergie. Peut-être qu'il y a un peu d'intelligence à intégrer dans les annonces pour préserver sur certains. Tu es mieux que moi. C'est vraiment une réflexion à chaud et avec tous mes respects. Hein. C'est pas une critique que je te fais. Hein. Je te dis, c'est peut-être, tu vois, j'utilise le terme peut-être. Je n'ai pas de certitude à ce propos. Je pense que tu es l'expert dans ce domaine. Hein. Tu t'es investi, ainsi de suite. C'est des suggestions. Ça me semble bon. Il y a juste une petite remarque. Parce que tu veux préserver l'interopérabilité et la khéré, tout ce qui s'ensuit. C'est très bien. Juste par rapport, là, je vais être dans la forme aussi. Je vais te coincer dans la forme. Dans les schémas, pourquoi tu ne prends pas les schémas qui sont dans les RFC? Moi, je me rappelle des thèses que j'ai eues avant, notamment ceux de l'INRIA, Daniel Raffo, où il reprend du RFC, il reprend le schéma et il le met dans sa thèse. Ça, tu as le droit de le faire, ce n'est pas du plagiat. Ça permet aussi de montrer que tu es totalement interopérable, que tu prends les mêmes messages, tu vois. Ça, tu as le droit de le faire et ça t'évite de faire des schémas qui peuvent être incomplets ou des fois tu as le droit de le faire. En plus, ils sont en ASCII, tu vois. Je te dis pas de le faire, Sidi Ahmed. Une suggestion. D'ailleurs, même dans les cours qu'on fait nous, moi je donne des cours comme toi, comme la plupart de nos collègues, moi je reprends directement les schémas des RFC. Et je donne bien sûr la source RFC machin, ça montre ma conformité au standard, d'accord, au RFC. Ouais. Mais bon, ouais. C'est un détail de toi à moi, c'est parler pour ne rien dire. Hein. Ouais. Mais bon, c'est plus un échange que. Oui, vous avez mis le doigt sur plusieurs. Non, mais c'est pas. C'est des échanges, c'est des. On profite de cette occasion pour échanger et pour apprendre aussi. Moi, j'apprends de toi, hein, sache-le. Ah, oui. Et je te remercie parce qu'en lisant ton manuscrit, ça m'a permis vraiment de plonger et de retenir un certain nombre de choses que je réutiliserai. En tout cas, je tiens Je tiens à remercier tous les membres du jury. Je tiens à remercier d'abord Pascal, bien sûr, qui m'a donné l'occasion d'être dans ce jury. Je le remercie très fortement. Je remercie tous les membres du jury. Je te remercie pour l'excellence de ton travail. Et on attendra peut-être la délibération du jury pour le faire d'une manière beaucoup plus
plus profonde. Et merci pour tout ces idées. Oui, je vous remercie. Merci. Donc, je vous remercie, professeur Sayrouchni Ahmed. Et je te remercie aussi pour ta modestie. Donc, je passe. Je sais pas si on a récupéré, professeur. Très bien, je suis là. C'est bon. Amr. C'est bon. Est-ce que tu peux, terminer? Très bien. Désolé, j'avais un petit souci technique. Désolé. D'accord. Je pense que c'était ma dernière question. Clôturer. Bon, de toute façon, je félicite le candidat, M. Belkhira, pour le travail accompli dans le cadre de cette thèse. Je pense que sa contribution a été validée par la communauté scientifique à travers une publication dans une revue de renommée internationale. Aussi, je pense qu'il a aussi une conférence qui est bien classée aussi où il a validé son travail. Donc, sur ce, je termine mon intervention. Donc, je lui souhaite une bonne continuation et je vous rends la parole, M. le Président. Merci. Merci, très cher Badr. Donc, maintenant, je pense que je vais passer la parole à professeur Pascal. Professeur Pascal. Oui, oui. À vous la parole. Oui, merci. Je remercie les membres du jury d'avoir participé à cette soutenance et donc également aux candidats. Donc, j'ai apprécié, j'ai pu le suivre pendant toutes ces années. Et donc, j'ai apprécié sa motivation, surtout, son travail, qui ont donné lieu à des résultats avec une publication, une conférence dans ICC qui sera présentée demain en visio également. Sinon, je n'ai pas de questions particulières, puisque j'ai suivi ces travaux. Je n'ai pas d'autres remarques particulières. Merci. C'est bon, est-ce que vous avez terminé, professeur Pascal? Oui, je n'ai pas d'autres remarques particulières, à part les remarques que je viens de dire. Oui. Merci. Donc, avant de passer la parole à M. Boukri pour clôturer ce débat scientifique, j'ai quand même... Je vais tout d'abord... j'ai quelques remarques de forme... Ensuite, quelques questions. Bien sûr, ce sont des questions de quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Je pense que les spécialistes ont tout dit. Donc, j'ai quelques remarques. La première concerne la liste des tableaux, Richard. Oui. Si tu peux me suivre. Oui, oui, je suis avec vous. Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Je vais être très rapide. Je vais être très rapide. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'en prie. Vraiment, c'était plus amical qu'autre chose. Oui, je sais, oui. Donc, Hicham, la liste des tableaux. Oui. J'ai vu table 4.2. Tu n'as rien mis à côté de ça, la liste des tableaux. Oui. Je pense la première. Ouais. Le début de la thèse, le début du manuscrit. Ouais. La liste des tableaux. Donc, table 4.2. Je ne sais pas si on a la même version du manuscrit. Oui, 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 tout à fait la même. Bien sûr. Oui, il y a la même. Donc, oui. Il y a un problème de titre, oui. Voilà. Donc, aussi, la figure 4.5 de la page 88, je pense qu'elle est illisible. Elle n'est pas claire. La figure 4.5. La page 88. Oui, exactement, oui. De l'organigramme. L'organigramme, oui. J'ai aussi une remarque concernant... je n'ai pas trouvé une liste de la liste des algorithmes. Alors que ton manuscrit, j'ai trouvé beaucoup d'algorithmes, je pense. Oui. Je crois que tu dois ajouter aussi une liste des algorithmes. Je pense, Hicham, que tu dois aussi revoir la traduction en arabe. Là, par exemple, il y a une phrase que là où tu dis والحساسات التي تكون هذه الشبكات من قدرة المعالجة. Je pense que tu dois revoir ça. Tu dois revoir la traduction en arabe, Hicham. Oui. Quand tu dis, je sais pas. والحساسات التي تكون هذه الشبكات من قدرة المعالجة. J'ai pas compris cette phrase du tout. C'est quelle
Quelle ligne? Oui, facilité connection. Je pense que c'est une phrase à reformuler. Oui. To kawin. To kawin. والحساسات التي تكون هذه القدرات المحدودة للأجهزة والحساسات التي تكون هذه الشبكات صديق من القدرات المحدودة من قدرة معالجة وقدرة تخزين. والحساسات التي تكون هذه الشبكات من قدرة المعالجة. لا من قدرة معالجة ça revient القدرة المحدودة. J'ai une question. Dans la page 31, vous avez parlé d'une extension de OLSR dite QLSR. Quelle est la qualité de service assurée par ce protocole? Quelle page? La page 31. Tu parles, Hicham, d'une extension de OLSR dite QLSR. Oui. Donc, quelle qualité de service assure ce protocole? Donc, quelle qualité de service il assure donc, c'est une extension de OLSR. Qui touche quelle qualité de service? La qualité de service, en quelque sorte, elle travaille sur quoi, c'est-à-dire, principaux aspects. Mm-hmm. C'est l'aspect du délai, l'aspect de l'overhead, c'est-à-dire de minimiser les overheads, et c'est-à-dire l'aspect de diagnose, c'est-à-dire la durée. C'est-à-dire trois aspects normalement, c'est-à-dire elle touche cette. Parce qu'il y a un compromis, lorsque tu touches un leader, tu vas diminuer l'autre. Hein. Donc c'est pas évident de garder l'équilibre. Donc cette version, elle touche trois qualités du service, en quelque sorte. Elle essaie de les améliorer par des techniques, mais en quelque sorte, elle a touché le fondement de OLSR. Je pense que tu as cité un papier dans la bibliographie au niveau de TCP et son impact sur le routage, Cédric. Oui. J'ai vu que tu as cité ça, et tu as cité aussi les travaux de Khaldoun, qui avait aussi adressé Khaldoun, qui était dans l'équipe de Philippe Jacquet. Tu sais que Khaldoun, il est à l'origine de OLSR avec Jacquet. Hein? Exactement, oui. Et il a contribué à cette partie, je me rappelle très bien, à la partie qualité de service. Moi, à l'époque, j'étais à l'INRIA dans les années 84. Oui. Et donc, il y a eu une réflexion sur l'adressage de la stack, de voir les protocoles, de voir la partie routage et préservation de la crosse en tenant compte de la sémantique, notamment du rattrapage des données de TCP et l'Akhale. Et là, j'ai vu que tu citais vraiment bien les bonnes références. Tu cites les références essentielles. Et la page 31, c'est... Désolé d'être intervenu, mais bon. Hicham, tu as le soutien de professeur Ahmed, donc il n'est pas bien. Donc, j'ai encore une question. Donc, ton approche, Hicham, est-ce qu'elle est heuristique ou formelle? Donc, Alej, quand on parle sur une approche heuristique, elle est validée généralement par une expérimentation. Alors qu'une approche formelle, on a une démonstration formelle ou la mathématique. Le manuscrit, ton manuscrit, j'ai trouvé les deux. Une démonstration plus une expérimentation. Donc, où est-ce que tu as? Vous avez bien fini. Donc, en quelque sorte, c'est une approche heuristique. Hein. Heuristique. On a fait modifier l'heuristique de OLSR parce que c'est un problème un peu complet. Il est quasiment impossible de le résoudre en utilisant des algorithmes exacts. On utilise des heuristiques. Il y a plusieurs heuristiques que j'ai citées dans le manuscrit. Parmi eux, c'est l'heuristique de RFC 3626. En quelque sorte, j'ai fait une seule démonstration pour démontrer que l'ensemble impair n'est pas unique.
Parce que si l'ensemble MPRIB est unique, on n'a pas d'intérêt de chercher ailleurs. Parce que s'il est unique, on n'a pas. C'est-à-dire, j'ai démontré qu'il y a plusieurs ensembles MPR, ça veut dire qu'on a intérêt à chercher, on a la motivation à aller chercher d'autres ensembles MPR qui peuvent nous donner un plus dans la qualité de service qu'on essaie de l'optimiser. En effet, j'ai intégré cette démonstration juste pour rassurer le lecteur que le chemin il est prometteur. Donc on peut chercher, on peut parce que si on a une seule solution, par exemple la première partie de la première partie de l'algorithme de section des MPR, il y a une seule solution. S'il y a une seule solution, donc on n'a pas le droit de, parce que on a une thèse de 300 en quelque sorte. Si on cherche une solution qui n'existe pas, donc on risque de ne pas aboutir. Donc c'est que j'ai fait une démonstration. La démonstration c'était pour moi en premier lieu, essayer de démontrer qu'il y a d'autres, parce qu'on en quelque sorte on travaille parce que vous trouvez beaucoup de mathématiques. On travaille avec c'est-à-dire Monsieur Marc qui est l'un des membres du laboratoire IMAS. Donc c'est un professeur en mathématiques. Donc en quelque sorte, il te demande à chaque fois de faire des démonstrations ou de ce truc pour rassurer en quelque sorte l'équipe, pour vous rassurer, c'est-à-dire vous-même, que votre chemin il peut aboutir à une solution. Et c'est ça. Donc la démonstration c'était seulement pour cette partie. Très bien, Hicham, mais ta réponse était convaincante. Allah yajzik. Une dernière question. Donc, les problèmes traités dans cette thèse sont des problèmes de sélection et regroupement, je pense. Et pardonnez-moi si je dis des bêtises parce que je ne suis pas spécialiste. Donc, je pense que je suis parmi des spécialistes dans le domaine. Donc, je reprends la question. Les problèmes traités dans cette thèse sont des problèmes de sélection et regroupement, sont des problèmes souvent traités par des techniques machine learning, Hicham. Les techniques d'apprentissage automatique. Je pense, est-ce que vous croyez que ces techniques peuvent avoir une place dans ce domaine? Oui, ils peuvent évidemment avoir une place dans ce domaine parce que, en quelque sorte, la technique d'MPR, elle est inspirée d'un autre domaine qui est le domaine de, qui vient de la théorie de graphes. De l'ensemble dominant, c'est-à-dire le problème d'ensemble dominant. C'est-à-dire qu'on a inspiré cette technique pour c'est-à-dire, c'est un problème connu pour l'intégrer dans OLSR, parce qu'au début, c'était LSR. OSR, c'est Optimized. C'est-à-dire qu'on a intégré cette technique afin d'optimiser le protocole LSR qui était basé sur la diffusion banale des paquets. En quelque sorte, le machine learning peut avoir un grand mot à dire dans ce domaine. Merci Hicham. Donc avant de passer la parole à Monsieur Cabrel, je vais essayer de faire une petite vérification s'il y en a des questions de l'assistance, puisque nous avons cette soutenance qui est diffusée sur YouTube. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, juste des félicitations. Donc, Hicham, avant de passer la parole à M. Boukli pour... Oui. Je pense qu'il y a une, qu'il y en a une. C'est la question de Talib Hafnaoui. Talib Hafnaoui, laquelle? Je n'ai pas vu la... Talib Hafnaoui. Oui, je l'ai trouvé. Donc, Talib Hafnaoui, qu'est-ce qu'il dit? Pouvez-vous bien expliquer comment le paramètre du poids W sert à calculer la richabilité des nœuds slide 23? Je vous remercie. Oui. Hicham? Oui, j'ai bien entendu le... En Donc, est-ce que tu peux répondre? Il n'y a pas de problème. Il y a trop de... plaisir. Donc le paramètre de W, donc c'était le fond de notre travail, donc c'était un poids. On a dit déjà c'était un poids, c'est-à-dire qu'on a utilisé afin
de faire intervenir l'énergie dans le calcul des MPA. Donc, OLSR basique se base uniquement sur la réchabilité. On a fait intervenir, parce qu'il y a des travaux qu'ils ont mis à côté la réchabilité, ils ont, c'est-à-dire, se baser sur seulement sur l'énergie. Mais réellement, je ne trouve pas ça très bénéfique. On a introduit cette nouvelle idée de faire un mélange, c'est-à-dire entre les deux, c'est-à-dire un compromis entre les deux, donc, c'est-à-dire avec à l'aide d'un poids. Et le poids, dans la première contribution, il est fixé à l'aide des expérimentations avancées. Mais la deuxième contribution, on a laissé ça dynamique. Et c'est le mur qui décide. Donc, c'est ça, c'est une fonction mathématique normalisée qui essaye de calculer une nouvelle réchabilité à travers l'énergie et l'ancienne réchabilité utilisée par l'OS. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette question. Merci, Hicham. Sofiane, je pense qu'on n'a pas une autre question. Oui. J'ai revérifié, je pense qu'il n'y a pas une autre question, donc ce sont des félicitations. C'est bon? Donc, oui. Moi, de ma part, je tiens à féliciter M. Belkhira Hicham pour la clarté de la présentation, pour le travail réalisé. Je lui souhaite une bonne continuation, bien sûr. Et je passe la parole à M. Boucli pour clôturer ce débat scientifique et si possible de répondre à des questions. D'ailleurs, de toute façon, Hicham, il a très bien défendu sa thèse. Donc, il a très bien défendu sa thèse. Donc, je passe la parole à professeur Boucli Hassan Sofiane. Donc, je remercie Monsieur le Président. Donc, je remercie tous les membres du jury d'accepter de juger ce travail. Donc, on aura aimé faire cette soutenance dans de bonnes conditions, mieux que ça. Bon, c'est la situation. Donc, je tiens à remercier Pascal pour sa patience, parce que, comme vous connaissez, ici en Algérie, la procédure de soutenance, ça prend beaucoup de temps. Donc, Hicham était prêt. Ça fait un bon moment, mais vu qu'il y a eu des lenteurs, ainsi de suite, donc ça a pris du temps. Donc, je remercie tous les membres du jury. Bon, je vais les citer un par un. Badr Ben Ammar, l'Université de Tlemcen, pour ses questions très pertinentes et les remarques. Bon, bien sûr, je vais parler du point concernant les erreurs orthographiques mises en forme, et ainsi de suite. Bon, c'est un commentaire même pour professeur Ahmed. Chez nous, c'est un peu comme ça, malheureusement. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des documents administratifs qui exigent que le président du jury doit vérifier toutes les erreurs orthographiques et remarques faites par les membres du jury pour diffuser le document en ligne. Donc, c'est ça. Donc, concernant les remarques de Jadel, qui étaient très, très pertinentes, des questions de fond. Oui, bon, concernant OLSR, oui, c'est un protocole qui n'est pas trop adapté pour les réseaux de capteurs sans fil parce qu'il consomme beaucoup d'énergie par rapport aux protocoles LISH et autres qui sont hiérarchiques et qui sont plus adaptés. Donc, le but, c'était de voir le comportement du protocole OLSR dans des conditions où il y a des contraintes d'énergie, tout simplement. Donc, Hicham a fait le travail en combinant la reachabilité, c'est-à-dire l'incidence du nœud sur son voisinage et l'énergie, en faisant les deux contributions, une où on va avoir un compromis entre énergie et reachabilité, et le deuxième en faisant un point qui est dynamique entre les deux. Concernant les remarques de Si Ahmed, oui, donc oui, ça aurait été mieux de pointer les actions sur OLSA qui consomment plus d'énergie, et bien sûr le protocole OLSA va devenir plus
comment dirais-je, adaptée au réseau de capteurs sans fil. Concernant la collaboration, bien sûr, on est ouvert à toute collaboration avec tout le monde qui sont présents ici dans la soutenance, dans les thèses de doctorat. Donc, maintenant, je vais aller au candidat. Donc, je vais lui remercier parce qu'il a pris tout ce qu'il faut pour faire ce travail. Bon, en premier lieu, je vais dire qu'il y avait des problèmes sur la convention co-tutelle, bien sûr, toujours côté algérien. Donc, il y avait un refus au début de la part du ministère et après, donc, on a réglé le problème. Donc, ce qui a un peu dérangé un peu le doctorant. Et puis après ça, donc, une fois qu'on a réglé ce problème, donc, il a pu avoir sa bourse pour rester au laboratoire IRIMAS pendant une bonne période de temps où il a très bien évolué. Donc, je ne vais pas oublier de remercier Marc pour ses aides concernant la partie mathématique du travail. Et même, je vais même remercier Dr Belkhair et Dr Erzouk. Et je ne vais même pas oublier le professeur Bouziani, notre vice-recteur, qui nous a très donné très d'aide pour avoir cette soutenance en visioconférence et concernant la procédure administrative et tout. Donc, je remercie le candidat et je le félicite et je donne la main à M. le Président. Donc, merci, M. Boukli. Donc, je pense que le PVA a circulé parmi les collègues. J'ai reçu quelques feedbacks. Je pense que j'ai la version finale. Je pense que je vais la partager maintenant parmi les collègues. Donc, envoyer. Donc, juste pour délibérer, peut-être que il faut libérer la salle, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, libérer la salle pour la diversion. Donc, je vais mettre le candidat dans la salle d'attente. Avant de mettre le candidat Boukli, s'il a quelque chose à dire. Oui, oui. Monsieur Belkhair, Hicham. Ah oui. Hicham, tu as un dernier mot, puisque tu es le RIS de la Hortfad. Je vous remercie infiniment, c'est-à-dire l'ensemble de mon jury, parce qu'ils m'ont mis en situation vraiment confortable pour soutenir cette thèse. Je suis vraiment donc, très content. Je suis vraiment content des remarques, parce que chaque remarque peut être une nouvelle perspective et un nouveau acte de faire. J'étais très content de toute question qui a été posée sur la thèse. Donc, je vous remercie tous. Donc, c'était vraiment impeccable. Merci. Merci. Donc, tu peux quitter, Hicham. Oui, donc il va s'en charger, monsieur. Oui, il va s'en charger. C'est un clic. Donc, je ne vais pas quitter, mais je vais quitter virtuellement. Okay. Donc, c'est bon, Hicham. Donc, Hicham, tu vas libérer la salle maintenant. Hein. donc j'ai partagé, je pense, le PV, Sphere, parmi les collègues. Oui. Je pense que c'est la dernière version. Si vous n'avez pas des remarques ou quelque chose à ajouter, je sais pas que. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait mes remarques et j'ai soumis ça à. Juste une question avant. On continue à être filmé sur YouTube, là. Oui, je vais arrêter la diffusion sur YouTube.